Allez, c'est notre côté sac passé, son plaisir m'a avec nous à soir. Encore une fois, lundi soir, comme j'aime nous toujours faire comme d'habitude, pour nous toujours dans le live, côté pour nous parler de business ensemble, et que ce soit e-commerce, que ce soit Amazon FBA, quelle que soit activité au monde capable de faire online pour les générer des revenus online, principalement que ce soit bâti brand power, ok, brand personnel power, qui sont bâti que moi-même en pile. OK, parce que moi toujours dit puis gros projet qui plus authentique qui existait hein, c'est au même parce que pas gain deux versions de au même et qu'on barre que très probablement qu'on fait plus bien que n'importe qui monde et sous décider mettre tête dehors aujourd'hui hein, OK, pour capable porter sort gain pour que le monde capable découvrir lui ou capable faire une différence, ça capable faire une différence extraordinaire dans vie ou à partir du moment que même on décide focus pour faire impact dans vie l'autre monde. OK, donc c'est un plaisir pour moi ensemble avec vous à soir, m'a invité au partager live là. Et puis, pour que le maximum de monde capable gagne chance pour capable d'attendre l'information que nous avons pour nous assurer. Hein. Assurer, nous allons parler de comment vous êtes supposé protéger le business, surtout pour le monde qui prend l'entrée dans le quatrième quarter, hein. Monde qui prend l'entrée dans le quatrième trimestre, trimestre qui commence du mois octobre, novembre, décembre, qui vont partir dans le mois de janvier là-dedans tout. Donc, moi, invite à partager live là, s'il vous plaît, pour que le maximum de monde capable bénéficier de l'information que nous avons pour nous assurer. Parce que nous allons montrer neuf façons, mais on va vous faire neuf là, donc, on va vite on doit être là. Neuf façons, OK, pour nous capables et protéger le business, nous, pendant période quatrième trimestre là. Et c'est pas seulement pendant la période quatrième trimestre là, c'est peut-être pendant depuis ou même vous considérez faire business sur internet, ok, c'est et il est toujours important pour considérer partie légale qui est associée avec business là. On va que moi en pile monde qui est en train de se négliger, mais surtout soit vivre aux États-Unis ou vivre au Canada, ok, ou faire business sur internet, même soit vivre à l'étranger, monde qui pensait que parce que vivre à l'étranger il est protégé contre loi qui avait aux États-Unis, ok, ça va pas toucher, il va pas affecter directement. Au contraire, on est capable de trouver un grand problème, ok, on est capable de trouver un pile problème, ok, dépendamment de et gens ou même au comportement, ok, dépendamment de gens ou même au manage business ou donc surtout second business qui enregistre aux États-Unis, ok, donc il est vraiment important que ou même ou prend mesures légales, ok, que c'est pas bagarre ou même ou prend du tout à la légère. Donc je veux dire dans live là, c'est objectif pour nous capable parler de neuf points ça que nous allons couvrir ensemble avec vous. Moi là devant, mais avant que nous entrions dans notre voiture, qui t'aime choisir, qui t'aime saluer monde qui là salué William Pierre, n'a pas salué et Kevin, n'a pas salué Claude Guillaume qui l'a soir depuis Saint-Domingue, n'a pas salué Manus Millien, n'a pas salué Rose Régis, OK, n'a pas salué OK Manus Millien, merci encore brother, n'a pas salué Joril qui l'a, mon ça qui toujours présent ensemble avec nous, OK. Donc s'il vous plaît, fait partager live là avec un maximum de monde dans tout groupe qu'on gagne, OK, que c'est Facebook, que c'est WhatsApp, OK, groupe WhatsApp, Facebook, et partagez pour que un maximum de monde capable venir, capable et bénéficier de l'information, ça. Parce que l'information, ça, pratiquement, j'en peut-être pas capable de découvrir la soirée. Nous sommes capables peut-être juste mettre l'un dans un cours que nous avons qu'on peut taper pour jouer l'information. Hein. Mais nous juste décidé partager-les avec vous gratuitement pour que au maximum nous sommes capables de bénéficier. Pour moi, bien sûr, qui est intéressé, qui voulait faire business, qui est sérieux avec business, yo, parce que partie légale business, ce n'est pas un bail qu'on t'a supposé prendre du tout à la légère. Ok, n'a pas salué Faniel Paul qui est depuis Tampa, Florida. N'a pas salué Jean-Fris Planto qui est ensemble avec nous à soir. T'as pu souple partager live là et nous allons commencer rapidement avec premier point, ok, pour nous capables de protéger business nous pendant la période quatrième trimestre là. Ok, donc ils font une chaleur là, on va juste mettre air climatisé là et puis on va tourner sous. Bon, 5 minutes. Bon, 2 minutes. Bon, nous parlons là pour nos parties, ok? Donc, soit monter sur la loi là, non pas ce que l'on enverrait, mon entrepreneur qui fait business sur Internet, et c'est une passion pour me partager ça que je connais avec mon avec un maximum de monde pour nous capables d'aider. Et nous commençons à faire business sur Internet depuis 2009, et je veux dire à la 2011 plus précisément, ok? C'est là nous officiellement enregistré le premier business aux États-Unis. Nous sommes capables de dire qu'il fait une différence extraordinaire dans la vie. Et si vous même vous avez un objectif, vous pensez que, et vous avez considéré considérer Internet là comme un outil pour même pour bâtir business pour la business de rêve, hein? Moi, considéré, ok? Moi, recommande et formation ça que nous lancer sur e-commerce, que nous avons e-commerce dropshipping IQ Academy, ok? Côté que nous montons de A à Z, ok? Exactement comment on va bâtir un business e-commerce, ok, depuis lorsque vous commencez depuis la base là jusqu'à ce que vous même vous capable scale business ça qui est pas bon revenu de 10 25 50 jusqu'à 75 000 $ américains par
mois, on va parler en termes de revenus, pas profit, d'accord, on va parler de revenus, ok? Et en termes de revenus, et si vous êtes capable de gagner 20%, 30% dans sa qualité dans le poche, imaginez qui ça t'a plaisir pour vous-même en termes de différence, pour aider les gens que tu as toujours voulu aider, famille, etc. Ok? Mais, il n'est pas facile, ok? Je m'a toujours dit ça, c'est pas qu'il m'a dit un pile travail, il m'a dit un pile concentration, ok? C'est pas premier store, là, immédiatement résultat, ok? C'est peut-être c'est un pile travail qu'il m'a dit, éducation, éduquer tout surtout, parce que ça lui-même est vraiment important. Un pile monde pensait que c'est bon store, fait ads sur Facebook, mettez produits, il n'est pas là, il n'est pas ça seulement. Map de ces 90% éducation, 10% action qui va le bord peut-être résultat que même quoi chercher. D'accord? Mais, bagaille là, il vaut la peine, honnêtement, vaut la peine. Sinon, madame, il y a plus que déjà plus que 10 ans depuis que moi dédié à ça seulement. Donc, ça, lui-même, il est capable d'aider tout. Ok, on nous passe là. Warren Sherry, nous là ensemble avec vous. Paulette Paul, nous saluons. Et qui dans la live là. OK, partagez live là, t'as pris souffler et puis on entrer dans point à soir. OK, premier point pour capable protéger business. OK. Premier bon question que le monde pose, OK, et c'est je pose la pile fois dans live là, c'est est-ce que j'ai besoin yon enregistrer business avant de commencer faire e-commerce? Pas nécessairement, ou pas besoin. D'accord? Ou pas besoin pour commencer. OK? On toujours dire que ou pas besoin pour commencer, mais son bagage nous toujours recommande de penser ensemble avec ça, surtout si ou gagne un business que ou gagne temps pour scale jusqu'à 50 000 $. Si ou pas faire 50 000 $ la vente peut-être dans une année, même si son mois ou bien peut-être dans une année pendant une période donnée, mais cumule là, c'est cumule là bas ou plus que cumule la vente qu'on fait, là bas ou plus que 50 000 $ par mois, ou supposé penser à gagner yon LLC. OK? Ou supposé gagner penser avec yon LLC, 50 000 $ par mois, c'est par année, pardon. Non année sont pendant on capable cumuler son période de temps donné, c'est bon bah qui est vraiment compliqué. OK, second stock qui bas ou pratiquement bas qu'on est 5-10 000 par mois. OK, donc pratiquement et ou capable faire ça dans 5 mois, ou capable faire ça dans 6 mois, ou capable faire ça dans 3 mois, ou capable faire ça dans un mois tout. OK, toute bagaille dépend. D'accord, mettez présent pour Wesley. Bon de pas moi, excusez-moi hier, on est vraiment avec une migraine. OK, m'a profite excusez-moi là publiquement envers vous et demain matin m'a checko bien l'aime finir dans live ça, m'a checko. OK. Et pour moi, je vais checker pendant le week-end là, tout pas de jeune, moi, avec pendant le week-end là, ils font chaleur terrible, pas bon ici là, donc migraine là, depuis le changer chaleur, depuis la température là, changer comme ça, me faire journée avec migraine, c'est un bagage à faire, même devant ordinateur, un bagage à ok? Et donc, nous dit que vous pas besoin d'un LLC, pour question que vous me posez généralement, est-ce que vous avez besoin d'un LLC pour commencer business? C'est pas un bagage qu'on a besoin pour commencer, mais c'est un bagage que nous recommandons, pensez ensemble avec lui. Si vous voulez plus que 50 000 $ par mois, et, ou bien vous avez un bon business qui cumule l'embo plus que 50 000 $, pensez avec ça. Et en même temps, tout sous un business qui va dépasser 100 000 $, ok, de vente, peut-être non période d'année, non année, ou bien non 2 ans, non 3 ans. Non, on nous dit non année parce que c'est généralement, c'est pour une année fiscale de considérer ça. Donc, si vous avez un business qui génère plus que 100 000 $, ok, nous recommandons de parler avec sa relais. Souvent, moi, vivre aux États-Unis ou bien au Canada, et parler avec sa relais, yon tax advisor, ok, yon conseiller fiscal, d'accord, en français. Pour le capable décider pour le maintenant qui pi bon façon pour les deux réduire taxes, ok? Parce que dépendamment d'un tax bracket courrier ou capable peut-être son paquet ou d'un penser que business ou fait quoi ou fait profit je veux dire et puis après ça tonton Sam pour tout comme là dans mon ok parce que ou son mauvais monde ou a fait quoi etc. Donc et toujours de considérer parce qu'on fait quoi son mauvais monde ou y etc. Il prend comme là dans mon ok il invente un paquet de bagages pour capable prendre comme là dans mon ok. Donc ça lui-même est vraiment important pour penser à gagner ça relève un tax advisor, ok? Dans prochain live n'a bien un tax advisor ensemble avec nous qui pourra expliquer nos problèmes, ça sont haïtiens, ok, qui pourra expliquer nous exactement comment pour éviter problème légal ça qui est associé à gain business ou surtout alors faire business sur internet parce que les gens qui pensent parce que business sur internet pas gain partie légale qui est associé ensemble avec lui sont gros erreurs que nous commettons lorsque nous pensons comme ça et ça les applicable couteau yon paquet l'argent et gain même prison qui associé ensemble avec lui surtout soit vivre États-Unis avec Canada, ok. Deuxième point. Donc, premier point, c'est est-ce que vous avez supposé, qui l'a supposé qu'un business soit enregistré? Donc, nous dit que vous n'avez pas besoin pour commencer, mais ce bon business qui est à upscale ou privé dans zone 50 000 ou dans la zone 50 000, commencez à penser qu'un LLC ou, et soit dépasser zone 100 000 pendant période année, pendant année fiscale, ok? Moi, je recommande de penser avec gain, yon tax advisor, yon conseiller fiscal pour le capable aider ou, ok? Pour le capable permettre que vous capable réduire ce quantité de taxes que vous payez, mettons un bon tax bracket là, parce que ça, lui-même, il est important pour capable Québec comme dans poche pour ton Sam pas prendre tout comme là. OK. Deuxième question moun pose qui sont bas que me pense que légalement faut considérer le tout. Est-ce qu'on supposé charger client yo taxe lorsque ou fait order, lorsque ou prend order? Parce que d'après moi que lorsque Shopify, OK, l'on finit ton produit, il mando est-ce qu'on voulait pour charger mon yo sales tax, OK?
Et nous toujours dit, ça nous toujours dit client, surtout le monde qui fait coaching privé ensemble avec moi, c'est que c'est pas un bail qu'on a besoin de préoccuper de lui, ok? Et pour commencer, parce que pour gagner un sales tax là, faut qu'on gagne ça ou les un sales tax license, ok? Faut qu'on gagne une licence qui permet de prendre taxe dans mes mounions, c'est-à-dire qu'on touche la taxe là directement dans mes mounions, ok? Mais sur le business qui est enregistré, ok? Et que on gagne une licence, donc on obligé de prendre tax license, ou obligé, pardon, prendre taxe en charge customer taxe là. Par exemple, l'offre setup à compte sous Google, l'offre fait Google Shopping, ok, l'offre fait ad sous Google, l'offre setup à compte Google Shopping, ou, yo, première question yo pose, c'est est-ce que vous voulez pour Google calculer taxes là pour automatiquement? J'ai les mêmes fait configuration avec client, moi, et ça nous enseigne dans la formation dropshipping, nous, en tout, dans la formation e-commerce dropshipping, là, c'est que, fait que Google capable faire pour automatiquement, ok, pour même, c'est pas vous-même qui est obligé pour aller report taxes là, ok, ça, c'est parce que c'est pas en bas que vous voulez ou même pour mettre tête ou là-dedans, en bas que ou pas comprendre, ok? Donc, sous pas gonsé le tax license, il n'est pas obligé de charger client ou taxe, mais sous gon sales tax license, c'est comparé là, ok? Quel que soit le business côté gain qui était enregistré, il était enregistré pour un sales tax license. Par exemple, vous avez vendu sur Amazon, il pourrait utiliser même business ça, vous avez enregistré pour un sales tax license pour Amazon, et pour vous voulez utiliser même business ça pour faire dropshipping, ou obligé de prendre taxe dans mes clients pour se tête comme même côté courrier. D'accord? Donc, faut qu'on soit capable de parler, bien sûr, mais même moi, pas un expert dans le domaine, non, je sais pas nos conseils qui basent sur l'expérience, pam, ou obligé de parler avec yon, un expert en CPA, ok, un comptable qui un comptable qui professionnel là de maintenant, moi recommande de parler ensemble avec lui pour capable éviter problème que ça capable causer, ok, parce que 16 taxes, il est capable maximum généralement 15% de quantité qu'on paye. Mais cependant, si yo ken bo, ok, pénalité qu'on paye, il ka dépasser 50% comme ou même ou te rentré là, dit que on a dit que ton business ou te fait pas d'année à $20,000 profit, tantôt ça me ka vinn payer ka faut payer dans $20,000 ça parce que pas de déclarer 16 action. OK, non seulement le taxe en amont, mon bra le payer en plus de ça, on pourrait le payer une pénalité qui prend plus que 50% de cob côté rentrée. OK, donc pratiquement business ou living réduit à zéro. On va penser au fait cob et puis pratiquement après ça, ou que business ou living juste réduit à zéro. Donc fait en sorte que ou même pour parler avec sa relation CPA, CPA, on comptable qui approuvé, qui associé, qui approuvé, qui gain registre pour le dazo exactement comment pour capable setup sales tax and the business. Mais sous bagon business qui enregistre côté déjà gain sales tax license, on va gain licence là, sous déjà gain licence là ou obligé ou required ou même pour prendre taxe dans mes customers parce que ou pral obligé report. Et surtout que Shopify lorsque ou même vous vendez pour plus que on sait $50,000 pendant une période de temps donné, Shopify la report. Et c'est peut-être ça au besoin. Premièrement, LLC, hein. Et une fois qu'on gagne ça, tout, assure qu'on parle avec Tax Advisor ou pour le dire exactement qui licence ou besoin pour capable prendre automatique, pour capable officiellement capable considérer comme un monde qui collecte taxes dans mes customers, dans ce côté que yo dit yo collecte taxes online. C'est pas tout aux États-Unis qui collecte taxes online, mais côté que yo required, côté que yo mande moun pour collecter taxes, yo ou obligé assure que même ou fait ça et report li. Parce que, quand vous pouvez le payer en pénalité, hein, ou capable de vous même prendre, et après, quand vous même qu'on pas gagner. D'accord? Donc, évitez genre de problème, ça, yo. Ok? Donc, deux premiers bagages, ça, yo. Tant pis, s'il vous plaît, aspect légal, là. Pensez avec yo. Ok? Une fois que ou walk, ou son monde qui est dans threshold, ou dans capacité, que business, ou pouvez le scale, li, qu'on a 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 pendant une période de temps donné. Ok? Ou bien cumule, là, libor, quand c'était ça. Donc, pensez avec et régulation ça yo parce que li capable couteau on paquet l'argent et en même temps tout gain prison qui associe ensemble avec lui c'est éventuellement APC et fuit ou fuit tonton Sam donc gain prison qui capable et associe ensemble avec lui. OK, on va aller qu'on y a sous troisième point. OK, sous en bas live là tant que s'il vous plaît partager parce que n'a partagé 9 points pour capable considérer légal partie légale pour capable protéger business ou et non seulement son point légal mais en même temps tout son point et nous capable dire son point entrepreneurial, ok, parce que c'est vraiment important en tant qu'entrepreneur qu'on comprenne partie légale risque qui est associé avec yo en de business et en même temps tout comment pour protéger yo. Donc, m'invite à partager live là pour que yon maximum moun capable bénéficier de li et sont intéressés avec yon formation capable monter de A à Z comment pour gon business e-commerce, ok, qui capable générer revenu de 10 jusqu'à 50,000 $ américains et par mois. Donc, m'invite à cliquer dans le lien qui est en bas description vidéo ça. Moi, rete quoi que ou pas regret côté pour la décision ça. Ok? Konya, on va aller dans le troisième point. Facebook IP infringement. Ok? Let me dire IP infringement, c'est intellectual property. Ok? Propriété intellectuelle. Gan pile moun, parce que yo wè un ad sur Facebook, ou bien parce que yo wè ad la an nan non, 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 sou page yon supplier, sou AliExpress, ou bien sou Alibaba,
ou bien parce que yo ouais en vidéo m'a parlé lundi là on a dit m'a parlé vidéo à creatives OK vidéo ou bien image là OK yo elle soit AliExpress et puis yo elle dans outils que ce soit celle de trend ou whatever outils qu'on utilise hein. OK yo pensais que capable prendre même creative ça et puis laguer sur Facebook et puis commencer rouler ads OK ça a son gros erreur que ou même ou commettre parce que pour qui ça parce que les probable que monde qui t'a créé fait creative ça les protéger d'ailleurs son monde là bat son business sérieux OK. Si on a bat son business sérieux, il a besoin d'assurer que il protège tête li. Donc on pas capable juste aller ou même pour rip off comme c'est pour plagier mon nom pour prendre creatively et même on va l'utiliser dans le business ou parce que ou t'es sur AliExpress parce que next sur AliExpress là, il pas cœur, pas grand quel monde qui va le bal prison côté lié en Chine, d'accord? Et ou bien parce qu'on outil ba celle de trend, celle de trend objectif c'est gain plus monde qui souscrit à plateforme là, il pas cœur ou même qui importance qui conséquences légales ça capable gain pour même et non seulement conséquences légales yo ou bien conséquences économiques yo tout parce que pratiquement Facebook a juste fermé à l'account ou ça c'est premier bail là, elle fin fermé à l'account là, la fermé business manager ou elle fin fermé business manager la fermé à compte personnel ou si ou même ou persister. OK? Et moi gen moun ki tombé dans situation ça à côté yo perdu à compte personnel, yo di à compte Facebook, yo même yo perdu, yo obligé qu'on y a pour capable continuer faire ad sur Facebook, yo obligé acheter l'autre ordinateur, changer IP yo, chaque fois connecté sur Facebook, yo créer un faux compte Facebook avec faux image, faux etc. OK? Et chaque fois connecté sur Facebook, yo obligé utiliser ça relé en virtual private network en VPN. OK, yo obligé à utiliser pour ça yon VPN. Ou pas veut tomber dans situation côté que toute la journée ou vivre sous caisse sauté. OK, parce qu'on pas simplement prendre le temps pour vérifier, pour assurer que ou pas voler à un bagage yon l'autre monde utilisé parce que simplement ou pas côté trop paresseux pour te faire recherche là, on va utiliser ça yon l'autre business te baou parce que tu es sur AliExpress, ou pas dire c'est pas de photo, c'est m'de wel sur AliExpress, m'de wel sur on outil que m'd'a utilisé et Facebook pas care. OK, c'est au même qui entrepreneur, c'est pour qu'on ait l'autre prendre décision dans business ou qui décision à prendre et comment décision ça capable non seulement affecter ou OK personnellement et en même temps tout affecter business ou. Donc ça est même vraiment vraiment important. C'est pas seulement vidéo, mais n'a pas les même tout de image, n'a pas les même de description que mon dans les même écrit dans produit en. Là nous dit IP intellectual property li inclut tout bagaille ça yo. OK image mon dans créer, vidéo que li créer, description j'en fais description produit li. C'est une raison que moi dit ou pas copier personne moun, d'accord, ou pas obligé copier yon moun. OK, donc si ou même ou connaît comment pour faire copywriting, si ou apprendre comment pour joindre exactement comment pour créer un bon offre pour customer yo, OK, ou capable juste quitter client yo parler à travers de ou pas obligé ou même si ou même cap inventer parole ou cap juste fait que client yo parler à travers de ou. C'est ça que nous montrons directement nous même en formation e-commerce dropshipping IQ Academy. OK, ma petite pause là pour nous capable et rapidement prendre une question que moi que Bibiana Clark posé là. J'ai moi une question de LLC, moi t'ai gagné un store cheveux que moi t'ai enregistré LLC depuis ça. Un an de cela, je te voyais pour moi, renewally, mais business ça pas en ligne encore. Qui ça pour me faire dans le cas ça? Est-ce que moi me mettre contacter si monsieur Inc. Falio pour dire yo ça ou bien vous pensez moi qu'à juste renewally pour business dropshipping moi gain? Il y a au cas juste renewally, ou pas obligé de réinventer la roue et au capable juste créer tout yon DBA doing business as. OK, ou gain même compagnon, mais ou juste appliquer pour ça relé yon DBA parce que on va le dire non compagnon directement sur non site ça, sur non dropshipping stock ou gain, ou appliquer pour ça relé yon DBA doing business as. Donc si compagnon l'intérêt les Bibiana Clark LLC, on va dire on va faire business en tant que belle cheveux, belle femme créole, bellefemmecreole.com. Eh bien, donc, on va juste dire, on va faire doing business as, on va faire un DBA pour doing business as. Mais doing business, qui est-ce qu'a fait doing business as? C'est Bibiana Clark LLC. Hein. Donc, vous toujours voulez qu'il y ait non Bibiana parce qu'on va vouloir créer une autre entité pour ça. OK? Ou juste faire doing business as bellefemmecreole.com. OK? Donc, on est capable toujours qu'il y ait. OK? Right. En forme, j'espère que ça répond avec question là Bibiana, ou pas obligé ou pas obligé et recommencer start from scratch, OK? À moins que business dans son bail que vous voulez qu'embé séparé et puis ou gagne l'autre partenaire ensemble avec ou li, donc ou t'avez fait qu'embé bagaille separate, OK? T'as pas oublié partager live là sous là sous fait monter. N'a pas parlé de soit de aspect légal qui gagne dans business, on bail que un pile monde qui dans négliger. Ou bien si on néglige, ou juste négliger ou bien ou pas connait, OK? Des fois on pas veut culpabiliser personne monde. OK, des fois mon ne pas qu'on veut pas bailler sa importance, même pas dire à qui point ça est même important dans business ou sous même ouvrir bâtir un business qui sérieux et ou pas veut éviter après 2 ans 3 ans fait business à fois bien passé et puis tonton ça me vini limite clé sous et puis il dit hey, comment ça passé ou son evil person ou fait quoi pour pas payer et puis ça est même divin niveau backtrack 3 ans tout 3 ans tu fait travail dur niveau back 3 ans encore pour recommencer
totalement à zéro et peut-être même dans le processus là ou perdre une réputation. OK? Donc et nous pas laisser arriver ou et peut-être ça nous même nous faire live ça. Donc tant pis s'il vous plaît, partagez ça avec un maximum de monde qui est capable de bénéficier. OK. Donc nous parler de Facebook IP infringement. Là c'est le troisième point hein, où vous voulez éviter genre de problème ça yo. OK? Et ou même tout qui voulez protéger ou qui voulez protéger tête tout. À soi vraiment exactement comment on capable faire ça pour protéger tête tout contre monde, OK, qui a faire les informations. On a dit qu'on travaille dur, ou qu'on stocke, ou crée, ou paye pour faire des descriptions pour, ou paye pour faire des vidéos pour, ou qu'on business qui marche, et puis vagabond venir, il juste pensait que le capable rip off ou prend sortir faire plage, ou pop ou pop, ou bien il prend site ou en tout, il juste site ou en relais, bah qu'on est bellefunkcurl.com, et puis il juste prend site ou en relais, bellefunkcurl.biz, et puis il pensait avec ça, les cas sauvés, les cas chapés pour lui, et puis Brit Soukou, jouer un customer qui a venu contacter, qui a dit, hey, il m'a acheté dans mon, et puis il va vérifier order, ou est-ce que pas gagné order ça sous store. Ça arrive même personnellement, ok? Et m'badavle sa rivo, donc ba mou moto exactement qui sont capables de faire pour capable protéger tes tout et comment capable éviter que vagabond sa yo ou bien moun sa yo qui trop lazy pour yo voulez faire le minimum effort. Ok, ba lance pas la loi du minimum effort. Mou konne gampi moun kap cherche solution qui juste en un clic, but I'm telling you guys, pa gen ba solution en un clic dans business, soit bat son ba qui vaut la peine. Donc autant que faire se peut, mettez effort, travail du sous tes tout pour capable faire le marché et me pas quoi en plus dans bagage que mon a ba ou je suis à ba ou un business qui est clé en main. OK, that doesn't exist. OK, c'est au même en tant que entrepreneur qui connaît qui business soit bâti, si c'est pour ça affiliate marketing t'a plus attractif que n'importe quel autre business parce que yo bon site qui tout fait avec toute information avec toute créative, donc il t'a marché pratiquement pour n'importe qui monde, mais c'est pas le cas. OK, moi gros ami qui fait affiliate marketing, monsieur contacté moi, monsieur était utilisé même landing page que customer a te balé que te balé dans programme que te prend et ça pas jamais marché. Lorsque moi fait changer landing page, moi fait faire propre creative pal, premier order est tombé même jour là le demain matin. Donc juste honnête ensemble avec nous. So guys, on va aller qu'on y a pour montrer qu'on y a comment ou même pour capable protéger tête. OK, let's go. OK, moi partager écran ensemble avec vous et pour capable ça Abdou là. OK, premier bail là, vous travaillez dur. Ou bâti business ou créer creative ou fait tout à fait bien ou payer un monde pour faire un site pour ou qu'on fait site ou from scratch ou bâti pour capable bien représenter brand ou fait tout travail du ça ou bien ou même ou shit off pour contre. OK, qu'on y a pour venu il juste penser qu'il capable voler ou juste penser capable venir plagier, comment on capable faire pour protéger tête. Premier bail là que me recommande grand application ça capable commencer utiliser sous store Shopify et sous store Shopify, c'est disable, on met que le disable, on voit c'est quelque nous qu'on connaît déjà disable right click. Donc, vous êtes capable d'utiliser l'application ça sur Shopify ou sur store Shopify qui est le disable right click. Je vais juste mettre Shopify là. OK? Et ça, l'application ça fait, c'est que les gens allent sur store, OK? Ils ne doivent juste pas qu'à copier, d'accord? Ils ne doivent pas qu'à copier l'information qui est sur store, là, OK? Mais nous, les gens là qui sont gratis, et application ça lui-même, ça lui-même est gratis. Moi c'est ça, on peut utiliser ça pendant un petit temps. Il y a 30 jours et c'est gratuit et après ça moi c'est $1 combien je charge par mois, il est pas plus que $2. OK. Il est assez intéressant. Donc il y a pas mettre que monde dans lui-même, il pas capable de copier information sur ordinateur, il pas capable faire save, il pas capable saver mes jeux, il pas capable et prendre copier, il pas capable copier information directement sur store. OK. Donc tout, mais cependant, gain application de gain extension sous Chrome avec Mozilla qui contourner application ça. OK, donc on pas qu'à protéger, on pas qu'à dépendre à 100% parce que c'est pas une protection liée pratiquement à 100%. Qu'on y a, on a dit que au même on fait pas ça, on paye application ça $2 par mois, on pas songe exactement combien lié, mais pas plus que $2. Ou ka checker l'autre application, mais ça là nous tout connaît ou capable et nous en pile monde utiliser pardon et les capable utiliser pendant 30 jours gratuitement. OK, et en tant que vous faites tout effort ça et puis malheureusement gonne qui malgré ça les mêmes lui continuer à jouer la jouer à toute TV ensemble avec vous. Donc ça fait ou aller directement sur Shopify ou aller sur lien ça shopify.com/legal/dmca ou vous capable juste chercher sur Google Shopify DMCA notice and takedown procedure. OK, c'est Shopify DMCA notice and takedown procedure. Son fait là, ou pas dit Shopify pratiquement, me travaille du, me créer créatif moi, me gain store moi description moi, c'est tout bail qui original, c'est bail que me prendre dans une application et puis gonne qui juste vini, il prend image moi, il prend vidéo moi, au même temps, il prend domaine moi, il juste changer, c'est domaine nemnote.com, mon aller créer une qui .biz ou créer une .us ou créer une .shop et puis mon dans lui même la fête, il passer pour. Donc ou capable juste contacter Shopify pour lui capable mettre site next ça down. C'est Shopify juste prendre la limiter out of business. OK, donc ça DMCA c'est United States Digital Millennium Copyright Act.
OK, donc ou pas capable à voler information moun. Si moun nou wè kon mete ça sous site li, juste pas essayer à propos toi intelligent pour copier information moun. M toujours dit que m pa réinventer, m pa di moun réinventer la roue, OK? Gon façon utiliser information. Si domaine nan li même li du si information jwenn nan li du domaine public ou jwenn image sur Google ou jwenn image par exemple sur AliExpress, mais ou pa caler son site au moun côté que wè que li gen copyright qui associé avec information sur site li et ou même ou prend automatiquement ou pense ou capable d'utiliser. Donc on va aller sur site ça. OK, ou même qui travaille du pour bâti business ou OK, ou pour aller remplir pour capable demander Shopify pour les techniques ça down. On va prendre toute information et on va dire Shopify mes travail que m'était fait, mes liens, mes côté m'était OK, ou mettez lien vers travail originel là par exemple sur tes bon monde sur Fiverr que fait travail là pour mettez lien côté ou t'es payé pour travail là. Sur tes bon monde sur Upwork qui t'ai fait travail là pour mettez lien côté t'es posté travail là sur Upwork côté monde remettre au travail là. Ou poster là et pour bail description côté travail côté faire et pour monte ou mettez là lien copie ou bien et information sort qu'on veut report by Shopify là et vous mettez description ou déclarer après ça vous mettez signature électronique ou et après yon 2-3 jours OK Shopify peut contacter moun nan li vraiment des moun nan premièrement pour li retirer contenu pour li take li down OK si moun nan te prend image ou s'il te prend vidéo s'il te prend s'il te juste prend description pour journal mettez le pop ou pas li vraiment d'elle pour retirer description pour ou bien pour juste mettre un lot OK si moun nan décide le pas faire ou li continue dans stratégie hein, parce que li pensait que yo pas ca toucher parce que la fait business m'a connait juste m'ba konnen li juste en Chine ou bien li m'ba konnen li Tanzania ou bien li Brésil ou bien whatever côté le déyan li pense que ou pa ka touche l et ben là ou pa gen problème c'est Shopify qu'on utilise pour bâtir business ou et ben Shopify a juste delete account ou et wap moun sa Shopify a juste delete account li et moun sa out of business si après 3 jours li pa fait ça Shopify mande pou le faire une fois que Shopify li même li vérifier que c'est ou même qui c'est propriétaire intellectuel OK et pas information ça que ou même pour mander pour mettre à terre d'accord on l'autre bagarre qu'on capable faire encore pour aller plus loin on a dit que au conseil de monde qui juste décider que OK vous voulez protéger business vous plus layer sécurité sur business ou OK mon nèg ça lui juste décider il propose bien intelligent de changer quelques petits bagarre quelques informations pour faire bagarre apparaître original et pour well, Shopify pas venir trop pas prendre trop bagarre là ou bien Shopify pas trop reinforce décision c'est-à-dire que Shopify pas insister sur décision que le prend pour le capable technique la down donc soit capable faire donc ou capable pour l'autre pas encore ou aller dans Google Ads ou faire trademark complaint OK là nous dit trademark n'est pas nécessairement bagage que ou enregistré Google considéré comme trademark n'importe bagage que ou même ou considéré qui c'est propriété intellectuelle pour donc il veut dire description audio image qu'on utiliser ou bien vidéo même qu'on créer même et par exemple sous créer sous acheter une font OK sous acheter une font en particulier pour store et puis n'est juste parce qu'on acheter une font on carré une police de caractère ça veut dire je dis ça en français acheter une police de caractère une font en particulier pour store et puis ou t'es payé pour lui et puis n'est juste venir et puis il vient sous store il fait clic droit parce que les gars sont développeurs, ils connaissent un peu de programmation. Ils pensent que quelqu'un capable juste report pour prendre information ça ou capable report ça tout parce que son bagage que ou même ou payé pour lui. Right? OK. Donc ça ou fait, ou capable juste venir là ou report moun ça by Google, OK? Et ça Google a fait une fois qu'on finit rentrer toute information, là juste fait que site là disparaît sur Google. Donc si ça était dépendre de Google. Premièrement, si nèg la te Google Ads account, Google a fermé Google Ads account li. Deuxièmement, s'il te optimisé pour SEO, site li yo tout page site li yo a désindexé sur Google, ça veut dire que there will be nowhere to be found, OK? Quelle que soit page que tu gagne que tu es bien positionné pour Google sur Google, pour un seuil de mots clés, page ça va juste rester yo disparaître à jamais sur Google, OK? Et qu'on y a, si nèg ça qu'on y a, moun nan li continue, ou vle baite tout, moun nan continue toujours, donc on va juste venir tout sur Facebook, OK? Donc ou pral report moun sa sur Facebook. Dans le Facebook, trademark ou bien copyright, tout barre que copyright c'est tout barre qu'on gagne droit à propriété intellectuelle sur lui, trademark peut considérer que c'est image, vidéo que ou même qu'on gagne. Donc on va venir là ou report yo, parce que ou créer créative vous, ou dit, ou fait la continue avec le trademark report. OK, Facebook va demander information sur va demander là pour remplir forme là pour dire exactement qui problème qu'on gagne avec moun nan, qui problème moun nan te gagne par exemple account tout est hacké, par exemple moun pour moun qui account yo te hacké, gen moun qui dit par exemple account yo te hacké, donc mes solutions mais là c'est là ou même pour venir pour cap report li parce que l'autre gagne account ou te mettre un série d'informations sur li, yo considéré comme trademark ou et copyright. Son bagage qui copyright parce que il gagne information personnelle sur li et yo considéré comme trademark parce que tu as fait ad sur Google. Donc un moun qui hacké account ou cap venir là pour cap report account qui t'es hacké. D'accord? Ou t'es perdu une page Facebook, ou t'es gagné accès ensemble avec lui. À soi, à la grande dame qui fait contacter, dame, et lui recevoir un email qui supposément t'es venu de Facebook.
on dit supposément et te gon lien on lien bit.ly li cliquer sous li li a changer yo dit pour changer mot de passe li mais ba il n'a pas être vraiment comme si c'est Facebook qui voye donc il changer mot de passe li une fois qu'il fin changer et dans demain matin 3 jours après bank account li blanche OK bank account li blanche OK m'a dit nous ça Facebook pas jamais voye email ba moun qui gen lien bit.ly là-dedans OK et Facebook pas jamais mande pour changer mot de passe tout le temps c'est pas une notification directe qui vini en dans Facebook account OK c'est pas email là voye ba pour mande pour changer mot de passe donc pas commettre erreur ça ou même pour penser qu'un monde qui contacte ou qui mande pour changer mot ou recevoir un email de Facebook et qui dit sous pas changer mot de passe dans 2 3 jours pour bloquer account ou son série de hacker une fois qu'on même changer mot de passe hein yo utiliser ça relé on série de phishing phishing algorithme OK qui capable permettre yo ouais exactement qui mot de passe côté mettre et yo prend information ça une fois que gen mot de passe automatiquement accès avec information, yo ka aller sur Facebook ad account tout et puis yo rip off carte là qui sous Facebook ad account là, yo fait ad pour l'autre page ou bien yo juste automatiquement acheter bagaille directement sur Facebook shops, OK, ensemble avec carte tout. Donc c'est pas le ça arrive, donc ou capable venir là pour capable si ça t'arrive, ou capable venir là tout pour report genre de bagaille ça. OK, donc dans cas pas nous n'a dit la que c'est I found content which believe infringe my copyright. OK, moi je ne contenu qui violer et information personnelle ou et copyright bagaille qu'on gagne droit ensemble avec yo ou bien je ne contenu qui violer trademark ou donc après n'importe dans yo capable prendre trademark là et puis Facebook va demander pour continuer avec Facebook report là. Les informations que yo dit là parce que c'est vraiment important. Si mon par exemple, il vole les slogans, il vole un mot, yon logo, n'a mais ça fait dire que ça me dit nous tout à l'heure, Facebook considère mot qu'on gagne, slogan, symbole, design, brand name, logo, tout ça au Facebook considère comme des bagages qui c'est des trademark business. Et c'est pour ça moi insister sur le point à qui point l'important pour bâtir un brand niche store pour bâtir un business avec modèle branding dans d'elle en sorte qu'on capable protéger tes toutous d'une certaine façon légalement. OK? Donc une fois ou fin fait ça, ou continuer avec report là, ou remplir toutes informations, ou faire déclaration et puis yo va demander pour capable bailler information côté joindre monde qui violer information trademark ou et après ça Facebook va nous premièrement il va bloquer à la compte monde là si monde continuer les persister, il a bloqué business manager li et si monde persister Facebook a juste fermé un compte personnel li et moun sa li a jamais fait ads sur Facebook encore. D'accord? Donc ça c'est 3 layers de sécurité qu'on capable mettre. Premièrement nous parler de application ça on capable disable right click mais gagne qui gagne application gagne extension sous Chrome sous Google pardon sous Chrome avec Firefox qui permet tout contrôler les gens de bail ça yo. OK? Et donc deuxième option qu'on gagne c'est aller directement vers Shopify pour faire ça relé Shopify DMCA notice and takedown procedure. Troisième option qu'on gagne c'est ça relé font trademark complete sous Google et finalement ou gagne on capable faire tout your trademark complete your trademark report. OK, on capable juste taper sur Google trademark report form Facebook trademark report form trademark report form sorry OK juste taper ça sur Google pour tomber là et capable remplir information ça et ça permet que ou capable faire toute bagaille ça par exemple moun ki créé fake account sous nom moun ki a amendo sur internet y a bully y a bully y a bully y a harass you moun ki a fait ou inappropriate or abusive content OK moun ki claim a page for my business OK moun ki ki ramasse ki prend page ou page te gagne pour perdre accès à page là donc toute question ça yo donc tout moun ki te gagne problème ça yo ou capable utiliser lien ça pour capable faire report là et pour capable récupérer si ça possible si Facebook capable de récupérer OK les gars et de récupérer ça qui était pour d'accord mais espérer que ça information ça li ou même li pour bénéficier de li on regarde là rapidement est-ce que quelqu'un a une question avant que nous passer dans quatrième point hein, et nous étant pile point c'est 9 points OK nous étant sur 30 minutes là m'parler trop vite m'a fait effort parce que pile monde parler plein sur ça j'espère que m'pas parler trop vite merci Creole Spices vous disiez mais qui ça qui veut dire l'eau doit réinventer la roue tandis que ou pas doué copier personne. L'aime dire réinventer la roue, m'pa dire copier moun. Moi dire pas réinventer la roue, inspiré de sa moun nan fait, pas laisser comme si m'da dou faire bagaille from scratch, inspiré de sa moun nan fait et faire un bagaille qui mieux. OK? Garder qui ça manquer et puis inspiré de lui. L'aime dire réinventer la roue, implicitement m'pa dire copier moun. D'accord? Donc c'est ça très 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 important. OK? Est-ce que l'on finit IA number, est-ce que ITI number pour commencer à Shopify ou ça Stripe ou pas besoin ITI number. ITI number c'est plus pour capable déclarer taxe, OK? Parce que ITI c'est individual tax ID number, c'est ça le dit ITI number. Ou pas besoin ITI number pour capable commencer parce que précisément on peut le faire quand tout sous Mercury, c'est généralement ou bien on peut le faire à compte ou besoin font business account sous Payoneer, que sa plateforme dans ça mode là c'est IA number. OK, c'est lui-même qui permet que vous ouvrez et bank account. OK.
Est-ce que son problème, c'est que je crée une source sur Shopify Partners, après ça, il y a un plan pour mes stores là, live. Ce n'est pas un problème, et Shopify toujours permet que je sois capable d'upgrade après ça. OK? Et ce n'est pas un problème du tout. Jean-Fritz Plateau dit me parler vite. OK? Ma fond, il faut me ralentir. Est-ce que sous un produit sous un store, est-ce que moun sa ka sou? Ou pas, je me connais. Ou pas, je me connais. Donc, autant que faire se peut, fais attention. Il y a une application qui m'a montré, donc, côté que j'ai écrit une description pour 3 dollars. OK? Pour 150 mots pour 3 dollars. Dépendamment de dans qui niche courrier, il y a une description à faire qu'on pas besoin plus que 150 mots. OK? Maximum 250-300 mots, c'est parce que le client va lire un paquet de bagages. OK? Ça qui est important, c'est apprendre comment vous pouvez utiliser même mot client, hein? OK, pour parler ensemble avec lui. OK, utiliser mot client pour parler ensemble avec lui. OK, c'est plus mon stratégie qui est dans le copywriting. Et des fois, client dit exactement ça, le besoin. Quand aller sur Amazon, quand aller sur eBay, ou aller dans reviews, ou bien aller dans niche store, you know, pigo niche store, ou bien comme d'a dit, sous pigo niche, ou bien pigo store qui est dans niche côté que vous voulez entrer, hein? Juste garder pour ça, client a dit, puis utiliser mot yo pour capable parler même langage ensemble avec lui. Parce que ça crée un plus bon rapport entre avec customer. Hein? Il sentait qu'on comprenne, ouais, comme côté yo sorti, ou qu'on comprenne pour problème yo, qu'on comprenne pain point yo, et sont capables de mettre balises en place, même j'ai noté montré dans et masterclass que nous avons fait gratis là sous sous comment pour capable faire effort, comment pour faire offer là, comment pour préparer offer. Donc ou une bonne chance que vous capable venir avec une bonne description, ou pas obligé un expert dans copywriting pour ça. Et m'a dit nous ça sincèrement, copywriting it's ou venir expert là-dedans by doing it. Donc il faut faire. OK, c'est pas une question que ou pas nécessairement obligé. Bon, un monde qui étudie pour ça, tant mieux, les avantages, les bons avantages comparativement avec moi-même ou bien l'autre monde. OK? Mais cependant, même c'est pas bien que m'étudier, c'est avec le temps ou au fur et à mesure comprendre exactement comment fonctionner, mais comment pour préparer, comment pour créer, mettre en balise et m'banou formule déjà. OK, right. OK, on connait aller dans quatrième point, Facebook score. Facebook score, il faut vraiment protéger pendant la période ça. On va jouer dans pile order. OK, si vous voulez faire advertising, on va jouer dans pile order. OK, donc, je recommande de nous protéger Facebook ad score, Facebook score. Parce que lorsque vous avez commandé dans mon, après un certain temps, surtout pendant le quatrième trimestre, là, Facebook va demander mon feedback. OK, sous, il va demander mon feedback sur comment vous avez vécu l'expérience ensemble avec vous. OK, et vous voulez pour score ça, il est plus que 3.5. OK, vous voulez pour plus que 3.5, 3.8. Si score ça, il est plus bas que 2, ça pourrait le passer, CPM, vous pouvez le monter. Ça dit que tout son comme vous pouvez le payer sur Facebook, là, plus que l'autre monde. OK? Ou éventuellement, ça Facebook a juste fait, il a juste décidé de descendre quand c'était monde qui ouait ads. C'est-à-dire, il descend reach, il descend quand c'était monde qui ads ou capable de arriver, quand c'était monde qui est capable de arriver à 10. OK? Et si reach ou descend, pratiquement, CPM ou tout le monde, cost par mille, parce que pas oublier, Facebook, il charge nous en fonction de quand c'était monde, CPM, c'est-à-dire, cost par mille, c'est sous base ça, lui-même, il charge sur chaque mille monde qui ouait. Donc, si CPM n'a monté, ça veut dire que ads ou un monde qui gagne $100, OK, qui a un bon feedback score, il est capable de faire plus à $100 par là que même qui ont $100 qui ont mauvais, très mauvais feedback score. OK, moi connais que des services de qui permettent mon ranger feedback score yo. OK, et personnellement même yo offre ça, m'badou pas prendre yo, d'accord, et m'badou pas prendre si vraiment ou ta un problème, ou ta un problème feedback score là qui affecte on en business ou. OK, mais moi recommande pour vraiment très prudent parce que il y a un service ça tout que Facebook lui-même l'y a suivre. OK, et si vous ou essayer manipuler le système là, ou perdre du business ou à jamais. D'accord? Donc il faut que nous très prudent dans ce sens ça. OK. Ce qui est vraiment important pour considérer pendant période ça, OK? Et c'est Facebook Ads Policy, yo, OK? Vraiment important. M'pa ka di à quel point que gen moun ki m'gen l'impression que gen moun ki kontakte m ki di ah Facebook bloqué akwa mwen. M di monsieur, ki son fè? Yo toujours di yo pa fè rien. Et pourtant, l'on prend le temps pour entrer dans Ads Policy avec moun nan, ou est-ce que yo te font bagay, yo juste pas comprendre ça yo fè. Parce que moi connais que c'est vrai Ads Facebook, yo policy, yo, que ce soit Facebook que ce soit Google, yo très obscur, yo très vague dans certaines bagay. Par exemple, les Facebook dit il pas avec contenu qui sexuel. OK, donc par exemple, quand mettez photo au monde et puis que dame nan ba konnen sel trois paraître ou bien sel trois prononcer, poitrine trois prononcer, et puis Facebook bloqué ads peut-être ça. OK, ou bien on partie dans quoi qui trois prononcer pas supposé visible, trois visible, et puis Facebook bloqué ads ou bien éventuellement bloqué ad account ou peut-être ça. Donc il est vraiment très important que ou li policy yo, ko li règle Facebook yo comparativement avec pour qui ça, comment pour faire ads sur plateforme ni. Li yo et reli yo et reli yo et reli yo encore, parce que en pile fois, gen moun ki admettre qu'a dit eh m'pa fan rien, et lor li policy yo, et c'est après, je dis, est-ce
est-ce que ça me défait là, il y a un rapport avec ça? Est-ce que ça me défait là, il y a un rapport avec ça? Et vous venez avec le problème dans ce que tu as. Parce que ça, pour Facebook, capable de permettre que ou même vous récupérez à compte, ou, pour que vous posez poser question, questions, que vous admettez côté fond, vous voulez sentir que vous admettez que vous avez fait wrong. Ok? Ou quand toujours dit Facebook, je ne connais pas ça, me fait qui wrong. Et c'est une raison qui fait en d'un coup ça, que nous avons en balé, moi j'ai un script que mettez même pour monde qui a un problème ça. Vous capable d'utiliser script ça, sous un problème, c'est juste remplacer par nos business, ok? Et ou même vous capable ouais sur Facebook et on a dit que nous souhaitons que avec ça Facebook est débloqué avec ça avec script ça que nous créons pour vous hein, qui est en anglais d'accord ou même vous capable traduire en français ou en portugais pour monde qui a un problème qui dans langue par OK et pour les capable aider récupérer à compte OK script ça on fait nos cadeaux une déjà que on fait publiquement non live OK mais nous avons l'autre que nous mettons en formation hein, spécialement pour monde qui prend formation qui aller plus loin toujours OK comparativement à différents stades dans problème que capable avec Facebook que Facebook t'a bloqué à compte que le bloqué business manager ou bien que le bloqué profil personnel ou en façon pour même pour capable récupérer yo, pour pas gain problème donc ça lui même est vraiment important mais autant que plutôt éviter d'accord plutôt éviter au lieu que vous dit pita si me connais d'accord donc prends ton pour lire Facebook ads policy yo, OK c'est Facebook policy va me chercher lien pour nous facebook.com/policy/policy et puis ads policy et puis ads mais pourquoi c'est ça qui lien c'est ça on voit ça il y a on va le partager comment ça là avec nous oh je dis que page va disponible Facebook slash policies. Let's see. Okay. We got the ads policy. I'm just checking for now. Ads policy. Just check it sur Google. Facebook ads and policy del. Google gen réponse à tout bagay, mes amis. Yeah, advertising policies. Tombe sous lila. On partage comment ça va avec nous. Donc après ça m'a dit nous donc prends le temps pour nous capables t'en ressouple li baio OK l'île simplement l'île a évité yon paquet problème d'accord avec Facebook OK surtout pour ba équipe obscure yo là est obscure à chercher sur forum sur Google OK chercher sur forum sur Google pour kabouin OK m'pa fin comprendre ça d'accord alors on m'pa fin comprendre faut expliquer comment les review adio OK comment les prend comment et si adio en lui-même disapprove mais si ça pour faire d'accord pour ça contenu que pas qu'à utiliser d'accord sur Facebook illegal products and services par exemple qui les vendent produits sous base CBD OK par exemple discriminatory practices OK par exemple ou pas qu'à dire mon nom ou même qui gagne gros vent par exemple un gros produit pour OK Facebook a bloqué adio d'accord ou capable dire produit ça fait pour mon gagne gros vent laisse on pas attaquer personne monde on pas qu'à dire mon nom ou même qui gagne gros vent d'accord donc produit ça c'est pour ou même qui c'est afro-américain produit ça c'est pour non on dit mon nom produit ça est spécialement design pour monde qui afro-américain ouais ça me dit là donc pas toucher en ken bar qui rapport avec statut personnel mon nom ethnicité mon nom couleur les nationalités religion les sexes les ou bien orientation sexuelle que le gagne d'accord ou bien qui genre les gens identifier mon nom identifier les parce que nous connaît dehors plusieurs mon identifier de différentes façons donc faut qu'on montrer que ou même ou respecter ça d'accord l'autre bagarre encore par rapport avec ZAM Facebook li pa vle ko advertise ZAM mais il pas il pas un problème si ads ou li gen rapport ou bien landing page là parce que Facebook pas seulement garder ads là OK gen moun ki pense seulement ads là il garder landing page ou en tout OK page côté ads là pour aller li évaluer tout pour voir est-ce que respecter standard yo OK donc li pas un problème si ads ou Facebook ou pas capable advertise ZAM sous ou pas capable faire publicité pour ZAM sur Facebook mais li pas un problème si ads ou bien landing page ou li gen bagay ki gen ZAM là-dedans mais cependant image là li pas supposé montrer ZAM là qui pointé vers yon l'autre monde OK donc c'est ça le problème li pas supposé montrer que ZAM là li pointé comme si ZAM là li pointé comme si un monde qui pointé ZAM là il longe ZAM là sur l'autre monde donc ça li même li vraiment et faut ou éviter genre de bagay ça OK donc nous que là il parlait de third party infringement yo et en third party infringement yo c'est ça nous t'a dit alors copyright trademark privacy publicity OK vraiment important d'accord et pour qui ça Facebook parlait là de privacy parce que lorsque mon n'a créé contenu et puis ou juste rip off ou juste prend contenu ça ou juste décider ou plager mon n'a les considérer comme si son breach of privacy
Facebook considéré comme un breach of privacy. Et nous avons est pour que ça Facebook qu'on allait prendre ça plus au sérieux parce que était dans hot waters pour ça déjà. Il y a un problème pour question de privacy ça. C'est peut-être ça yo prend Sheryl Sanders, yo fait vini, veut payer un paquet d'argent pour capable aider résoudre problème privacy ça et jusqu'à présent son problème qui beaucoup fin résoudre à 100%. D'accord? Donc ça lui même lui vraiment important. Et puis pas fait rien non plus qui touchait bagaille qui à sujet qui sensible, bagaille qui en rapport avec politique ou bien bagaille qui en rapport avec religion. Donc ou pas capable j'utiliser genre de bagaille ça. Donc ça c'est simplement un quick guide que m'ba nous, mais ça qui est important c'est li exactement ça qui là yo. Et sous pas fin clair juste aller dans sous un série de forum côté qu'on a parlé de Facebook pour décision pour gagner plus idée de comment yo même yo fonctionner. OK, dernier sixième point. OK, nous parlons de ça déjà parce que nous parlons de Shopify IP infringement, non, parce que nous parlons de Facebook IP infringement, nous parlons de Shopify IP infringement d'une certaine façon. C'est même bail si mon ali pour fou si mon ali pour compte nous sur Shopify, donc nous montons comment exactement côté pour capable report mon là. Gros bail qui est vraiment important pour nous considérer, c'est ça ou les watchdog yo, ok? Donc c'est des organisations qui protègent customer, ok? Même si on fait business ou même en dehors des États-Unis, organisations ça t'as coup BBB, Better Business Bureau, ok? Et principalement BBB parce que son organisation à but non lucratif. L'objectif yo c'est programme qui aime que business soit même l'été relevant, faire tout un défend customer, ok? Donc ça lui est vraiment important qu'on fait attention avec ça, ok? Ma banon exemple sous moi. Et au Brésil, compagnie qui fait ça les réclamer à qui? Pour moun ki brésilien que c'est son salaire là, yo réclamé à qui? OK? Gon customer qui recevoir, ou quoi que le recevoir pour dire, pas recevoir pour dire, pour dire prendre temps pour arriver, OK? Et puis customer li aller, li fait li la plein, la porte pour moi dans compagnie ça qui représente customer dans tout Brésil là qui les réclamer à qui? OK? Et donc le moun al porte plainte pour dans genre d'organisation ça autant que faire se peut, même soit vivant dehors des États-Unis. On fait dropshipping, on dit, I'm back here, etc. Ça peut le passer. Moi, je connais un partenaire qui a un business qui a fait 7 figures, OK, non année, en termes de revenus, qui a fait 7 chiffres. Actuellement, monsieur, lui-même, il n'a pas un business encore. Il n'a pas besoin de citer un dropshipper, ça. OK, actuellement, monsieur, il n'a pas un business encore. D'accord? En plus, le monde compte, monsieur. D'accord? Actuellement, monsieur, il n'a pas un business encore. Donc, ça, c'est le bagage que vous supposez faire très attention ensemble avec vous. Parce que c'est la seule chance qu'on gagne pour résoudre le problème avec le customer. Parce que si le customer envoie un email bas ou pas répondre, il contacte dans le téléphone, on peut le raccrocher sous lui, ou pas prendre un téléphone, ou bon, juste pas gagner un téléphone pour le customer contacte sous store. Mais il envoie un email bas ou juste ignorer l'email, il demande pour lui fondre lui, ou bien les produits ont un problème, ou qu'il contacte plusieurs fois, ou pas jamais répondre au customer. Donc, dernier recours, c'est aller chercher organisation capable de défendre en tant que customer. Ça, c'est le dernier recours que le gagne. Donc, et l'elle prend recours, ça, son chance libre ou en plus pour capable ou même essayer de résoudre le problème dans son avec lui. Donc, autant que faire ce peu de temps, s'il vous plaît, juste répondre pour éviter genre de problème, ça, yo. OK? Parce que ça, kakouto, non seulement business ou l'argent, tout. OK? Li kakouto, yon paquet l'argent. Et surtout, si moun nan fait que li prend, li quitte que organisation sa yo, foue bouche là-dedans avec avocat qui prêt pour yo sauter sous genre d'opportunité sa yo, pour yo même en tant qu'entrepreneur yo considère comme de bad guy, OK, qui a profité de moun. OK? C'est comme ça généralement yo, ouais, entrepreneur, non, c'est de groupe, OK, non, c'est de petit groupe. Ouais, ouais, entrepreneur comme ça. D'accord? Donc, vous supposez faire très attention avec genre de bagay sa yo. OK? OK, est-ce que mon là OK, bon ça. Oh, Facebook bloqué ni ad account ni personnel là tout. Wow. Sorry to hear that. Yep. Donc Shirley, seule option gain c'est écrit Cheryl Sanders. OK, c'est seule option ça gain. Écrit Cheryl Sanders, OK. C'est Cheryl @facebookfb.com. C'est seule option ça gain. Pour qu'elle récupère l'account. C'est celle même qui a débloqué. Même Mark Zuckerberg pas fait. Donc c'est ça lui-même qui a fait ça pour. OK. Oui, il a débloqué là après ça a débloqué encore. C'est algorithme lancé automatiquement le fait ça. Donc il a débloqué, il a débloqué encore. Recontacter encore, contacter Cheryl et recontacter Facebook encore customer support là. OK. Montrer que vous vraiment avez envie de récupérer à compte là. OK, mais comme ça Warren, ou dit que ou tout faire un ad ou choisir view content après ça ou changer objectif, ou changer objectif campagne là,
et puis Facebook bloqué ou peut-être ça, m'bat comme ça, m'bat sûr de ça, parce que m'toujours, ça connaît que m'changer objectif quand j'ai là, que m'défond erreur, m'changer, beaucoup j'aime des problèmes par rapport avec ça, m'bat son bail pour m'ta investiguer, son bail pour m'ta faire recherche sur lui. Ok? Qui sont pensés Facebook qui a café low hide bad comments en bas adou? Qui suggestion, s'il vous plaît, est-ce que nous t'as supposé faire ça ou bien quitter yo visible? M'bako, comment de nous faire ça? En dans page qu'on fait pour ads là, allez mettre dans filtre yo, parce que qu'on filtre qu'on va mettre sur Facebook, conseil de mots pour le bloquer pour vous. Ok? Nous montrer ça dans la formation dropshipping là. Ok? Pour mettre mot ça comme filtre. Tout le monde pense que mon cap utiliser, par exemple, scam. Ok? Mon cap do scam, cheap. Bad, ok, genre de mots qu'on connaît que généralement utilisé ou bloqué automatiquement. Ça son bag qu'on fait pour mettre un layer de sécurité. Ok, dans page ou un, dans settings, dans la partie settings, dans page et qu'on utilise fan page ou bien fan page qu'on utilise pour faire ads, non? Ok, ou aller dans la partie paramètres pour mettre filtre ça, filtre words, word que filtre, yo. Ok, et puis mettre tout et ou voulez mettre niveau pour comment on débat ça? Niveau pour mauvais mot bêtise community, vous voulez mettre filtre ça high, ok? Profanity, ok? Mon profane, vous voulez mettre filtre ça high, highest possible, ok? Mettez les high pour éviter problème ça. Ok? Donc ça, lui-même, est vraiment, vraiment important, d'accord? Donc, ça, lui-même, est vraiment important. Donc, je ne vais pas recommander ou hide yo, ça ne va pas être donné, parce que vous n'avez pas publié quand même, ou juste hide pour l'autre monde parler. Moun nan publié déjà Facebook li même li catché dans système ni et les moun nan mette genre de bail ça dans a dit il a affecté quality score ou tout l'affecté quality score ou. Après certain moment Facebook pral mando li pa review à contrôle li capable affecté quality score donc c'est pas hardly aller dans filter yo dans page là et puis mettez un série de mettez paramètres ça que m'zou là et puis et pour capable éviter genre de problème ça. OK. OK, m'bat toujours regarder police 27 ça Warrens, m'a regarder li pour moi, OK, ça sorti là vraiment vraiment important. Merci parce que vous partagez ça et ya. Yeah. OK, merci pour moi qui changer objectif campagne là pendant campagne là pour les ya, yeah, that's ça même vraiment important. Police 27 vous dit police 27, m'a connaissez mettre le pas ordre, m'a regarder li là rapide pour unacceptable business practices as must not promote product services schemes of offers using deceptive or misleading practices, including those meant to scam people out of money or personal information. Mba fin wek il di sa, mba gade pou mwe, as promoting background checks that claim sell, as that promote products or services that claim to boost Facebook or Instagram, as that promote schemes or services that claim to guarantee a visa, as that feature a picture of a public figure. Yeah, ok, ça Facebook zou li pa accepte ko apetis information l'autre moun, ko ap scam moun yo avec un seul information qui pa vrai. Mba konnen ki, peut-être yo ka extend ni, très probablement yo ka extend ni nan pour parce que yo toujours bon un petit détail, yo pa bon extend là parce que police ça yo gon paquet extension que Facebook pa généralement di ou c'est leur gen problème yo pa di ou, ok, c'est pour aller chercher konnen très probablement, ok, sou te gon représentant dans Facebook qui dit ça, eh ben mais ça veut dire que ça sont bagaille nous toute là nous apprendre à soir ça sont bagaille pour éviter. OK, donc nous revenons BBB, ça c'est 7e point hein? Donc si vous un customer qui allait qui fait genre de claim ça même avec client que me te gien qui était allé dans réclamer à qui Brésil, donc ça nous te courir fait c'est contacter lui parler ensemble avec lui, nous voyons un rapport qui dit que nous résout problème avec client et puis ça t'est resté là. Donc si vous pas répondre client ça t'a peut-être coûter nous on paraît comme parce que il y a toujours recours à la justice même si ou même ou pas vivre dans pays hein? Mais business ou il va attaquer, il va bloquer IP business ou côté store pas capable dans pays hein? Encore on paquet de bail au café, donc tant pis s'il vous plaît évitez genre de problème ça, ok? Et quatrième trimestre est toujours belle ou toujours qui est dans ce courir puis ou est l'argent seulement, mais il n'y a pas fait légal dans tout à ce qu'on protège tout pour éviter problème. Huitième bagage, surtout pour le monde qui est aux États-Unis, FTC c'est Federal Trade Commission, c'est une commission de qui fait qui a un rapport avec tout bail qui a un rapport avec commerce, entre transactions commerce, ok? Et pour que ça soit important, moun toujours a dit pour que ça faut mettre privacy policy sur store ou pour que ça faut mettre ensemble tout pays ça, non seulement que Google réclame yo, Facebook réclame yo, OK, pour mettre privacy policy, shipping policy, return policy, refund policy, OK, pour gagner un customer support page, pour gagner genre de bail ça, un numéro de téléphone, adresse qui visible sur store là, adresse côté faire business là, OK, qui visible sur store là, pour ça important parce que Federal Trade Commission, OK, qui occupe de tout bail qui a rapport avec commerce, mon gars fait commerce online, non seulement online mais en même temps tout offline, il est capable de fouiller bouche dans bail là et puis il va pas respecter c'est de type policy qui simple, mon bail qui très simple capable faire avec Shopify juste generate, OK, mais leur bon business qui sérieux capable scale fait bon chiffre ou doit penser avec policy ça pour réviser.
On va juste prendre un qui génère que tout le monde utilise et pour juste faire copy-paste ou mettre sur store. Ok? C'est là il faut retourner sur yo et puis vous dire, ok, je vais chercher un attorney, je vais chercher un bon avocat qui pour réviser pour make sure que business moi, il pas mal de problème. On peut que par exemple, Google tout tape changer policy, il y a moins de pour d'accord ensemble avec yo. Facebook changer policy, il y a moins de pour d'accord ensemble avec yo. Amazon changer policy, il y a moins de pour d'accord ensemble avec yo. Pour qui ça? Parce que il y a des bagages légales qui a touché ensemble avec yo, qui va coûter en pile l'argent et qui va coûter tout business. So, vous soyez posé, faites attention. Et vous n'avez pas un pile monde qui est dans ce fait, surtout dropshipper. Ça vous fait. Vous n'avez pas souscrit sur le site, vous avez permission pour vous. Vous n'avez pas mis un email là chez moi ou bien juste créer un compte sur store. Vous avez permission à partir de là, s'il te checké ou bien si information ça, si pas ça, vous avez checké automatiquement. Vous dites que vous avez un newsletter ou vous avez un email balé. Donc, automatiquement, vous avez un email balé client. Mais ça, on est ça. Ça, on sait le dropshipper fait. Donc, comment sont l'autre business? Vous prenez un email lisa, vous download li et puis vous mettez là. Et email service provider que a utilisé pour capable blast site ça que tu as dans l'autre store là, yo capable blast moun ça envoyer email ba yo. OK, ça c'est la chose à ne pas faire parce que moun n'a pas de bon permission, moun n'a pas inscrit sur site ou ou t'as vendre par exemple ba konnen produit ou t'as vendre faux cheveux et puis ou al son l'autre site côté ba konnen ou vendre whatever l'autre ba ou vendre et pour prendre même li ça ou al upload li sur l'autre account Facebook ou l'autre account Shopify ou et puis ou bien ou upload li son email service provider que ce soit MailChimp, que ce soit Klaviyo, et puis ou Blast moun yo, ok? Et moun n'a pas de bon permission parce que l'on n'a pas de jam inscrit sur l'autre site ça, ok? L'on n'a pas de jam inscrit sur l'autre site ça. Donc, l'on Blast moun yo comme ça, ou juste a gen chance pour capable quitter que, si moun n'a l'on report ou by FTC, c'est juste une chance qu'on bali pour capable faire qu'on perd du business ou. Donc, pas faire ça yon les cross mailing, ok? Des moun qui fait cross mail. Il préférable que ou utilisez Pixel là, ok? Ou gen Pixel ou juste utilisez Custom Audience là, et puis mettez ads devant Custom Audience moun qui était dans site ça. Très probablement, il a de cas acheté, mais pas faire ça yon les cross mailing, c'est bagay qui capable vraiment mettre en problème avec FTC, ok? Ça même li vraiment important. OK, on dit Bibiana a dit pour mon lan list large link store par li et puis il dit tout que produit par li hein qui bon qualité c'est dans sens ça moi te veut dire si nous doit invisible commenter ça oh mba, et si mon nan fait ça quitte le mais vous ça obligé déranger bah bon honnêtement ou ka protéger ça tout si ouais mon n'a vinn mettre lien l'autre store par li sont capable faire dans filtre yo mette http pour bloquer li si mon mette http ou bien si mon mette https parce que généralement c'est protocole ça utilisé pour mettre lien store li donc juste bloquer protocole juste bloquer ça yo donc si mon pas mettre lien store pal directement ou bloquer OK et puis c'est tout on pas besoin faire plus que ça même si mon pas poster là quoi que pas poster parce que tu bloqué parce que bloquer mot http hein, parce qu'il faut l'utiliser comme protocole pour le partager cette là et puis mettez tout www. mettez yo comme bagaille que vous bloquez on toujours fait ça mais c'est une là donc on toujours mettez ça mettez http mettez https et puis mettez www et puis mettez tout.com ou bien .com .net .biz .info quel que soit ça que tu as utilisé hein. Donc si mon n'a vienne faire ça on juste bloquer automatiquement OK pas besoin de faire ça manuellement. OK, si on acheté dans moi après les fin recevoir produit et puis supplier a méré invoice là, par contre ça les méré au dedans package. Ah, li mette invoice là dans package là, le client ouais tout prix qu'on y a email l'élément de refund. Suggestion pas fait ça. C'est celle ça me cabo comme suggestion bon. Premièrement, si client sentait que ou je son rip off qu'on fait pour pas de prix ça et puis et peut-être ça l'op order ou toujours par exemple sur utiliser Overlord, on côté dans Overlord qui dit please don't include invoice, OK? Pas mettre invoice là. So utilize Deezer, OK, DSS, yo di bon compte capable check. Moi quoi tout checker automatiquement. Moi quoi même tout checker pour automatiquement. Donc c'est juste pour pas mettre ça. D'accord? Et puis soit petit on private supplier tout, donc t'as supposé dire private supplier à ça. OK, on private supplier, t'as supposé dire pas inclure invoice là. Mais Overlord, Deezer, OK, yo généralement les gon option qui directement là-dedans qui capote capable. Est-ce que client carré porte dans BBI? Très probablement. Ah, c'est pas quoi la méchant donc pour éviter ça juste sur fond monde ou bien juste groupe de différence hein, parce que quel que soit sur fond de différence et profit margin on va perdre quoi vous payer dans ads tout mais on va récupérer quoi vous produire tes couteaux là juste sur fond de bah quoi la différence c'est ça me dégage proposer OK donc c'est ça ou bah conseil bah client tout dit pour dire c'est pour pas payer trop taxe bah on est capable utiliser ça tout si ça marche si ça prend
Et bah, j'aime faire ça. Bah, j'aime le problème ça parce que je toujours prends soin que ça, moi, négocier le bien avec supplier pour ne pas inclure invoice là. OK? Si vous utilisez CJ Dropshipping, vous pouvez mettre un invoice directement pour vous, qui a un logo store ou là-dedans. CJ Dropshipping fait ça. OK? Vous pouvez inclure directement logo invoice avec logo store, qui a un plus bel aspect parce que les bon aspect branding là. OK? Après, ça bénéficie à partir de là de l'aspect branding là, qui est vraiment important, qui est vraiment intéressant. OK? Ça, c'est pour vous-même qui voulez utiliser CJ Dropshipping. Je t'ai parlé de les drop servicing. Pas drop servicing. Bah, songez l'autre là. Mais CJ Dropshipping, moi, je connais que vous faites ça. Vous mettez invoice avec logo, brand. Vous chargez pour ça, bien sûr. OK, les pas gratis. OK. Donc, sous bon stock, vous avez marché puis vous sentez que, OK, résultat est intéressant. Donc, vous pouvez contrôler. Allez, so, let's go, do it. OK, parce que là, après, augmenter perception. Parce que vous n'avez pas que invoice en avec logo, avec toute bagaille. Et puis là, augmenter perception sous branding. OK. 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 You're welcome, Bibiana. OK. Et je ne sais pas si non, c'est Bibiana, si c'est Anaïs. Toujours la même image là. Name different. Non, toujours différent. So, anyway. OK. So, on va aller dans le dernier point qui c'est Payment Processors. Ça, c'est de la fin avec ça pour asseoir. Payment Processors, yo, PayPal ou bien Shopify Payments ou bien Stripe. OK. Il y a différents types de Payment Processors. OK. Partagez live là, s'il vous plaît, parce que ça, à partir de ça, lui-même, il est encore plus important. OK, parce qu'il y a pile de monde qui a problème avec ça. Payment processors, yo. Stripe ou bien Shopify payment. C'est ça, les low risk payment processors. C'est des payment processors qui pas prend risque. Ils pas prend trop risque. Ils pas appelé pour gagner plus que 1% chargeback. Chargeback là, c'est lorsque un customer a lâché un mot et puis là, il dit que, OK, c'est pas les mêmes. Vanel dit c'est même yo. OK, merci. Bien content, ouais, c'est même yo. OK, c'est même Bibiana ou bien Anaïs, c'est même là. OK, so, lorsque vous jouez un chargeback là, OK, customer a fait un claim, il dit que, OK, il n'a pas acheté un mot, etc., que son transaction est frauduleuse, etc. Ça arrive souvent. OK? Et il y a des gens qui sont malhonnêtes, OK? La majorité des customers pas comme ça, mais il y a des gens qui sont malhonnêtes qui font genre de bail ça, OK? La majorité des customers pas comme ça, OK? Ça va dire que vous pensez que e-commerce, c'est les gens seulement qui sont malhonnêtes là-dedans, qui prennent le bon chargeback toute la semaine journée. Non. OK? Il y a des customers qui prennent le chargeback simplement parce qu'ils sont fâchés, parce que pour Dieu, ils recevront les qualités, ils sont fâchés. OK? Au lieu de contacter pour lui font, ils juste bon, ils préfèrent le bon chargeback. OK? Donc, c'est peut-être ça. Vous supposez que vous avez un très bon customer service, OK? Surtout dans le quatrième trimestre, ça, je pense que si vous avez un si grand monde qui a observé et après l'autre bagage technique que nous parlions là ou bien bagage légal yo parce que grand bagage t'as supposé focus sur les pendant période ça là c'est customer service, OK, pour vraiment un bon customer service, pour vraiment communiquer à client dans tout processus de vente là, depuis les fin acheter les produits, les même les ship les produits, les même en route, OK, ou qu'un b confirmation information à client même lorsqu'il finit recevoir produit hein, ou montrer qu'aucun b flux conversation. OK, on peut utiliser clavier pour faire ça, on peut utiliser abandonment protector pour faire ça, même personnellement moi j'aime abandonment protector parce que il est simple et il pas aussi cher que clavier. OK, il permet que me faire basique ça basique même que me besoin faire parce que moi besoin toute bagaille que clavier permet faire même lorsque clavier c'est un outil qui est vraiment performant pour question email marketing. OK, si vous voulez inclure TDO pour capable bâtir avec TDO pour bâtir messenger marketing, pour ça pour bâtir messenger marketing pour setup messenger marketing directement pour parler à client sur messenger, utilisez-le ou bien capable directement utiliser tout ManyChat qui actuellement là gain en intégration spécialement pour Shopify pour e-commerce qui gain toute bagaille ça là-dedans et capable setup li en fonction de besoin pas en fonction de business pas. OK, donc il est vraiment important qu'on considère genre de bail ça pour qu'il y ait flux communication avec client et pour éviter le genre de chargeback ça que si client même était fâché il pas très temps j'aime tout recevoir pour dire au cap éviter genre de bail ça. OK, on l'autre côté tout business c'était business ou pas qu'à éviter que quelques customers qui juste malhonnête. OK, et vous voulez éviter et chargeback il y a venu qu'on voulait le coup pas voulait. OK, donc premier bail que je recommande pas personne, ça c'est moi-même, d'accord, on va obligé d'accord ensemble avec moi. OK, pas utiliser PayPal. OK, parce que j'aime toujours dire, moi comme moi dit, on va que me tendez et que il fait sens pour moi. PayPal money is like monopoly money. PayPal money is monopoly. On peut utiliser PayPal là, mais c'est comme c'est monopoly ou abus. OK, ouais, j'aime grand guillot dans prison. Non, et quoi ça je vais là. OK, on va jamais grand guillot en prison. Donc et il est vraiment vraiment important. Même personnellement, au Québec, on campait loin de PayPal. 2014, j'étais bloqué à 18 000 euros là-dedans. OK, donc on fait 18 mois m'bac en l'argent ça alors que business ou pas juste ça quitter cash flow chita en côté et puis ou pas business. Business ou pas cash flow ça pour business sur marché. D'accord? Et l'autre bail encore
Et qui est important, c'est que plus on a un chargeback, qu'on a encore un PayPal ou bien Shopify Payments qui a fait réserve sur compte. C'est-à-dire, sur chaque paiement qu'on recevoir, il y a 20%, il y a 30%, il y a 50%, et même ça, quand on vient les cas, il y a 100%. Donc, si vous n'avez pas un business, quand on a un cash flow pour continuer à faire order pour customer, parce qu'on a tant de clients payés pour faire order, on sait de bagailles. Donc, si vous n'avez pas un cash flow, ça veut dire que vous pratiquement out of business. D'accord? Donc, c'est une raison que, personnellement, même actuellement, moi, surtout pour le monde qui a fait dropshipping, surtout, OK? En honnête, Stripe, yo pare mes Shopify. Yo pare mes, pardon, Shopify. Stripe pare, but before payment processor, yo pare mes dropshipping. Il va y avoir un problème avec business e-commerce qui est legit, qu'on doit battre son brand, etc. Blablabla. Et c'est peut-être ça qui est vraiment important pour le business ou un hein, brand feeling. OK? Il est vraiment important pour le brand feeling. OK? Et pour être capable plus ou moins penser que ok ou probablement qu'il y a des stocks ou etc ou bien le monde ou acheter des clients ou faire un paquet des fois pour qu'il y ait des bons relations avec customer ya. Donc l'autre option qu'on peut gagner c'est aller s'arrêter avec un high risk payment processors, ok, ou peut aller avec un payment processor qui recevoir relations et transactions qui haut risque, ok. Une que moins utilisé actuellement, que je commence à utiliser actuellement pour Brésil, Ibex c'est une ladder pour les gens qui veulent faire dropshipping sur Brésil. Ibex c'est une ladder. Ibex, je vais permettre qu'on capable de gagner jusqu'à 2,4% chargeback. Ok, ça c'est vraiment haut risque. Je vais permettre qu'on capable de prendre un pile de risque ensemble avec vous parce que vous comprenez le modèle dropshipping. Non? Ok, et leur fin entrer dans le pays, ça généralement, vous avez un account manager qui va être capable de résoudre chaque problème que vous avez. Par exemple, chaque problème chargeback sur Ibex, vous contactez pour demander pour capable de soumettre des documents pour montrer côté que vous avez produit, faire capture, vous demandez pour me faire un document, son simple document. PDF, soumettre libéré et yo dit y a goumen pour vous jusqu'à ce que vous capable gagner 15 ans, vous capable gagner 15 ans en faveur et yo dit que ça capable prendre 6 mois. D'accord? Donc au bagage l'autre choix pendant 6 mois ou rien comme ça qui bloque en côté ou pas quand main li même lorsque ou connaît que ou fait travail ou te ship pour job à client constamment juste de mauvaise foi et de commande pour refund de li mais juste mando pour les faire les bons charge back. D'accord? Donc, et ça, c'est high risk payment processors. Ibex, pour le monde qui est au Brésil, ça, c'est une ladder. Vous êtes capable d'utiliser Ibex, ok, et si vous voulez accès avec account manager non, directement, et puis sur l'information, non, bien sûr, ok, sur l'information e-commerce dropshipping, e-commerce dropshipping academy, hein, moi, capable d'avoir pour le monde qui est au Brésil accès directement avec account manager non, pour lui-même, ou bien si vous faites coaching ensemble avec moi, dépôt d'information, pas un problème, nous capable d'avoir accès avec, sous contacter personnellement et vous voulez faire dropshipping directement sur Brésil, qui ont un paquet d'opportunités, ok. Donc, vous êtes capable d'avoir accès avec account manager, nous, ok, pour l'aider au setup account nous, le plus rapide que possible. Normalement, le processus prend un mois, mais si vous avez accès avec account manager, vous fait ça pour vous, en semaine, une fois que store one, il suppose que tout bagage que vous supposez gagner sur lui. Je ne dis pas privacy policy, shipping policy, refund policy, customer support, ok, ou un numéro de téléphone, ou un email, ou un adresse sur ce site là, et puis page ou tout site au film bien design pour proprement, à proprement parler. Donc, pas un problème, vous pouvez mettre en contact ensemble avec lui et la pédo setup dans une semaine maximum. OK? Mais là, supposé prendre 2 semaines. OK? Ça, c'est pour Brésil. Pour même qui n'est pas Brésil, et peut-être ça, capable vais montrer nous là, il y a un bar qui va peut-être faire monde qui est Haïti, OK, ou content en pile. Mais encore une fois, ça me dit, je suis sûr de lui parce que je vais créer un compte sur lui parce que je suis en Haïti. OK? Ou qu'on va aller directement sous Blue Snap. OK? C'est le seul payment processeur qui global, qui existait, qui prend transaction au risque. Mais cependant, tout, Freyo prend en mon là, l'Iro en pile. Shopify prend seulement 2% plus 30 centimes sur chaque transaction qu'on fait. Blue Snap, il prend 4,9%. On va aller comme ça. OK? Qui normal parce que vous prenez un paquet de risque ensemble avec vous. D'accord? Vous prenez un paquet de risque ensemble avec vous. Vous prenez un gros risque. OK? Vous acceptez, vous comprenez le dropshipping model là. Donc, c'est une plateforme que, actuellement là, même pour l'autre store que vous avez en dehors du Brésil, moi avez un shift sous lui. Vous travaillez sur Brésil tout, vous presque sur presque toute méthode de paiement qui existait sur la terre, yo gagne. Que vous besoin boleto bancario pour moun ki Brésil, que vous besoin pour moun ki Chili, que c'est moun ki éventuellement tout, nous t'a regardé dans les pays que vous supportez, yo, malé là pour moi regarder dans supported countries pour moi qui pays vous supportez, et li rive que dans l'Islam, moi joine Haïti dans l'Islam. OK? Donc, encore une fois, pas après ça me dire parce que vous êtes pour dire mon Haïti, vous dites, ah, nous j'ai une solution, hein, nous recommandons pour commencer business nous, et contactez vous avant, OK? Parce que même Haïti, m'a ouvert à compte ensemble avec yo, mais pour vous capable ouvrir à compte pour vous, faut que vous gagnez un business qui est légalement enregistré dans le pays que vous vivez là. OK? Yo pas ouvert à compte pour individu, yo ouvert à compte pour business qui est légalement enregistré. C'est-à-dire que même sur Haïti, d'accord, contactez avant, demandez qui sont besoin. Donc ça veut dire qu'on va le besoin enregistrer en compagnie, on a besoin de connaître toute bagaille légale pour un business Haïti, d'accord, avant que même yo capable de setup à compte pour. Mais encore une fois, j'aime dire, c'est contacter d'abord parce que m'a pas aucune preuve beaucoup gagne client Haïti qui setup à compte ensemble avec yo. Si gagne qui pas parler, sorry, m'a pas information à soir là, d'accord. Donc ou même capable aller tester Blue Snap et puis contacter d'abord et que pour connaître exactement quand pouvait à compte pour yo, n'importe qui recevoir monde qui Brésil, même qui Bolivie.
yo accepté moins alors que Stripe les mêmes yo pas accepté monde qui sorti dans genre de pays ça. OK, donc voilà, donc ça c'est tout pays que même yo supporté, que ce soit pour monde qui voulait ouvrir un compte ou bien pour monde qui t'a voulu éventuellement pour monde qui t'a voulu éventuellement et ça me t'a dit et ouvrir un compte ou même pour monde qui voulait côté capable recevoir paiement. Donc en sorte que capable bon business qui vraiment 100% global, OK, qui peut recevoir paiement dans pratiquement tout pays qui gagne sur la terre et une intégration avec Shopify tout en sorte que grab un business. Une fois qu'on finit un compte ensemble avec ou avant avec yo approuve ou grab un business qui up and running côté qu'on recevoir paiement n'importe côté sous la terre. OK, yo accepter Alipay, yo accepter un paquet méthode de paiement listen on. OK, en sorte que ça réellement augmenter chance pour générer plus revenus under business. D'accord? Donc voilà, je vous ai partagé ça ensemble avec vous. Considérez que soit pour utiliser Stripe, OK, c'est toujours un business à haut risque lié. Stripe pas accepté pour toi, risque pour le monde, c'est low risque que besoin. Ou pas qu'à gagner plus que 1% chargeback sur account. OK? Et pour éviter ça, bien sûr, customer support, c'est clé. Hein? D'accord? C'est pas que me dit Stripe pas bon. OK? Moi, utiliser la business plan, moi, utiliser eBanks, OK? Et récemment, là, nous commençons à travailler tout avec Blue Snap, OK? Pour quelques marketplace, OK? Que nous voulons entrer ensemble là-dedans, OK? So, OK, Marceliste dit qu'il était entré ensemble avec yo, en contact pour Chili, il a dit qu'il n'a pas accepté, sauf si m'a vendu sous Brésil. Yeah, il n'a pas accepté Chili parce qu'il m'a vivre là-dedans. Yeah, exactement. C'est comme ça IBEX travaille, il n'a pas sous le vendre, faut vivre, faut vendre en dehors du pays que tu appliquer. OK, c'est-à-dire que sous Chili, par exemple, mais même là qui Bolivie, m'a appliqué, m'a pas vendre Bolivie, faut me vendre en dehors. Pour ça, il n'a pas voulu prendre trop de risques. OK, le risque légal yo etc. blablabla. OK, c'est genre de bail ça. Donc, qui partie légale là qui là dans tout. OK, c'est peut-être ça yo pas dire quand toi vivre là, yo pas accepter ou vivre là-dedans. OK? Mais yo ka gomen pour l'autre en dehors que soit vivre en dehors du pays côté que ou même appliquer. OK, c'est ça qui belle ensemble avec yo. Et me comprendre tout et me croire que c'est même bail tout pour Blue Snap. Me croire c'est exactement même bail pour Blue Snap. OK, c'est une plateforme qui accepte high risk ça, yo, qui accepte prendre gros risque ça pour c'est comme ça généralement travail. OK. OK, est-ce que Ednaris t'a demandé est-ce que faut qu'on ait adresse Brésil avec phone number Brésil qui pour là? Non, pas nécessairement, moi utiliser numéro de téléphone localement ici pour m'acheter sur Brésil, pour mon vendre sur Brésil. Même grand pile customer toujours m'a dit est-ce que business legit parce que yo un numéro de téléphone qui pas numéro Brésil. Et m'a capable dire dans ça monde qui Brésil qui tendance voulait acheter son plateforme côté que yo senti que yo la caille, OK? Donc autant que faire ce peu pour un numéro de téléphone Brésil, ou capable faire ça sur tollfreeforwarding.com, OK? Sur la plateforme que j'ai utilisé, que je parlais de lui déjà, tollfreeforwarding.com, quand on a pris un numéro de téléphone sous Brésil, Capte Couteau, donc c'est seulement $15 par mois. OK? Monsieur Guillaume, moi, il y a 3 semaines depuis que j'ai commencé, mais je n'ai pas vraiment comprendre et j'ai besoin de rentrer dans le business là, j'ai besoin d'aider plus, comment on peut contacter personnellement. Et si vous voulez contacter personnellement, vous pouvez parler directement avec Jean-Rémy. D'accord, bon, qu'est-ce que Jérémy en bas live là. Donc on va contacter directement Jérémy et puis la mettre en contact ensemble avec moi personnellement. OK. Chris Rosenberg, tu as même bon accès ensemble avec lui. Je connais est-ce que c'est pour Brésil. Est-ce qu'on a formation d'abord, premièrement assume qu'on a formation et m'a vérifier ça et on va contacter moi personnellement après et m'a bon information si c'est toi lui-même lui fini ou que tout à fort pareil. Donc finalement m'a mettre en contact ensemble avec account manager moi. OK. OK, bien content après nos barrières soir et demi, c'était objectif là ça. Joril dit c'est ça yo te dit tout Brésil, yo dit si ou moi gen business États-Unis, yo accepte mais puisque moi Brésil, yo pas accepte, yo dit c'est pour moi cap vivre en dehors Brésil. Ya, et sont capable faire ou m'pa connait ou capable utiliser et comme de l'abdou, utilisons, mettez information l'autre monde, mettons l'autre monde dans le business soit qui est en dehors de Brésil parce que ou ka toujours gon bank account, OK, bank account la fois en dehors de Brésil tout. Et donc c'est vous capable faire ça juste pour sécuriser le système là, OK? C'est moi juste le business là États-Unis, est-ce que m'a servi à adresse l'autre bois pour m'activer ça? Ouais, capable faire ça. Pour une adresse États-Unis, il y a compagnie qui bon service ça, myusaddress, vous va utiliser myusaddress.com, OK? myusaddress.com. Pour acheter ton adresse États-Unis, son adresse fictif lié, mais c'est là toute information pour aller. Chaque fois, vous recevez information pour y avoir, y a scanner pour vous demander ça pour vous faire ça avec lui. Et vous avez bon adresse légale aux États-Unis pour faire business. OK?
Si on moun a vendu sous Brésil, est-ce qu'il doit enregistrer Brésil? Non, on ne pas enregistrer Brésil, donc on va vendre sous Brésil. En 2020, on a mis un store sous Brésil. Je vais tout le temps répéter ça, je vais cacher nos informations sur les gars. Je vais être pour nous. Il y a assez pour tout le monde. OK? Déjà, et m'a dit nous, et 2021 and up, OK? C'est 35% moun qui pral monter sur internet pour acheter pour la première fois. Statistique yo dit, c'est dans les sous on sait que les statista.com pour nous voir comment prévision est, statista.com. Prévision c'est 35% population mondiale là. Imagine 35% dans 320 millions moun États-Unis. 35% dans 210 millions moun Brésil. 35% dans ça que tu as acheté avant, imagine moun ça qu'on y a pour monter sur internet pour première fois pour acheter, pour consommer activement sur internet. OK? Et je pense que deux business qui est important je dis pour vous faire soit entrer dans e-commerce soit ou même positionner dans ça relais dans chaîne de supply là, dans supply chain là. Comment on va positionner dans supply chain là, soit venir un fournisseur soit venir monde qui va mettre le produit en sortie de fournisseur à un client. OK, soit on va positionner dans n'importe qui dans n'importe pas tu positionner dans ligne ça ou bien passer. N'importe pas tu peux bien positionner dans ligne ça, on t'a supposé bien passer. Donc, des pour vraiment un bon produit, ou un qui différent, ou une approche qui unique dans le business, ou tu as supposé bien passer. Dans n'importe quoi, tu veux positionner dans la supply chain. Ça. Pour trois prochaines années, quand tu viens là. Ça peut passer là, la dernière fois que tu es passé, c'était en 2000. Les années, les nous avons entré dans ça, les dot com bubble. Là. Ok, dans les années 90, lorsque tu es Yahoo, Google enragé, stock enragé, c'est la dernière fois que ça t'est passé. Donc, ça peut passer là, dans l'année qui vient là. Donc, opportunité, c'est qu'on y a lié. Ce n'est pas attendre les bails, yovin puis bon, parce que je garantis, pendant que je m'attends, je vais les mêmes frapper. Et je suis là. Définitivement, je vais l'autre choix. C'est définitivement, je vais nous dire ça, je vais nous promettre. OK? Donc, autant que nous-mêmes nous avons partagé ça, c'est parce que nous voulons que le maximum de nous profiter de l'opportunité. Ça. Okay? Autant que nous faisons formation, ça, qui là, que lien en bas, ça, c'est parce que nous voulons le maximum de nous-mêmes bénéficier de l'opportunité. Ça. Est-ce que Libre changer vous du jour au lendemain? Non. Au contraire. Est-ce que le monde a pile travail dû? On garantit ça. Okay? Et c'est parce que justement, le pas facile que ça fait qu'un pile monde qui a tendance à parcourir sur l'informatique. Et m'dou, ça m'honnête, m'honnête 100% honnête ensemble avec vous. OK? Donc, et parce que qu'on est difficile, qui s'est désiré, OK, ou même ouel comme opportunité, parce qu'on est en pile moun ap kouri. OK? En pile moun ap kouri. D'accord? Parce qu'il y a cherché ça qui est facile, là. Ça qui fait en un clic. OK? Like turnkey business. J'ai dit turnkey business. Ça n'a pas existé. Pas de monde qui te présente Jeff Bezos ou Amazon dans une boîte. Il dit, mais Amazon, mais nous faisons un business là pour multimilliardaires. Let's be serious. Anou sérieux, monsieur, dame. Anou sérieux. Si vous même grand entrepreneur ou bâti ou une idée dans tête ou gon baï avec clock ou voulez bâti ou commence son côté. Est-ce que l'obligé parfait? Il n'est pas obligé parfait. C'est juste stop. Nous toujours dit nous l'iPhone n'était fait venir si nous rappeler nous pas de gain Wi-Fi. Imagine qu'on y a vendre un iPhone sans Wi-Fi. Nous font pas jodi en sous jour arriver nous capable premier logo Nike te gain, premier logo Apple te gain. Il pas de parfait. Yo pas de parfait. Ou on start ou commencer. You will figure it out in the way. Wa fini par jouer comment pour faire reste là dans route là. Mais dans route dans processus là, on va gagner expérience. On est qui va commencer 2 ans, 3 ans après ou même on va gagner expérience ça. On va gagner année d'expérience ça aussi. Mais année expérience ça tout, on va le combiner avec créativité. OK? Combat que on Johnson te font live, t'es pas les sous les dernières mal font vidéo extraordinaire, moi mes vidéos. Hein. Pas de expérience et créativité. Et c'est deux bagages qui sont vraiment capables de faire une différence extraordinaire, qui va faire un edge dans le business ou compatible avec le compétiteur. OK? So, pas tant demain, Bébiane a dit là, start now, don't wait tomorrow. OK? Start now, don't wait tomorrow. Et l'opportunité est juste vaste pour nous tous qui l'a à ce captain de, OK? Li juste à disposition de tout le monde. OK? Mais gagnons gens pour faire. OK? Pas que ça soit le business in a box. OK? Business là, c'est dans la tête où vous prenez, vous mettez la tête, vous faites le travail. Pas que business in a box. OK? C'est business côté que vous bâtissez business ou travail du, OK? Ou connaît que vous avez servi, ou qu'on audience souvent, et vous décidez pour servir au plus bien que n'importe qui. Not just because you want money.
mais parce que vous sentez que vous avez un impact dans la vie, moun, parce que vous voulez faire une différence. Ok? C'est vraiment important. Ok, on regarde une autre question. Jeffson, bon bagay. Ok, right. Guy, est-ce que vous pensez que vous risquez de mettre l'adresse côté ma vivre là chez les sous-sites ou bien les cas plus intéressants si vous achetez une adresse USA? Si business sont enregistré USA, ok. Mais honnêtement, je dis most customer, plus fort customer, vous n'avez pas cœur. Vous n'avez pas cœur de ça. Vous n'avez pas cœur de. Ok, depuis que soit gain, offre ou en lien intéressant, c'est option quelques graines. Ok, je regarde combien de customers qui posent une question lorsque vous avez un téléphone sous Japon pour côté business. Vous n'avez pas en pile sous, je ne sais pas 3000 combien de commandes. Je regarde, je regarde, je compte sous douette combien là de poser question ça vraiment. Ok, donc il n'est pas, pas en paquet. Ok, Jérémy, est-ce que vous avez contacté Paulette Paul parce que là, je des contacts où. Boublis l'ont enregistré pour accepter Manus. Oui, Boublis pour Blue Snap, il a exigé que son compagnie qui enregistre, il n'a pas pris un individu. Ok, il faut que son compagnie enregistre. Même si on vit aux États-Unis, il n'a pas juste demandé pour qu'on compagnie. Ok. Est-ce que c'est ma bâti un bon store pour un monde? Est-ce que je dois la description et tout? Je ne sais pas pourquoi je t'ai offert ça. C'est moi qui fait. Bah ouais. Peut-être si m'a battu un monopole store, un one product store, ouais, mais m'a plus montrer mon comment pour l'écrire description. OK, juste montrer comment pour le faire et puis on retire travail, on retire problème ça sous dos. OK. Jacques Adler, m'gain qui banque m'ka use si m'pa vle use Mercury please. Oh, bah connait qui sort de ka utiliser. Donc m'a un côté hier Jacques Adler et Payoneer capable utiliser capable gon bank account sous Payoneer. Mais second business account est encore mieux encore sous Payoneer. Mais Mercury c'est parce que c'est plus bonne option, c'est une plus bonne option. Gain l'autre que moi qui monte sous Facebook moi même pas tester, on va tester honnêtement. Gain l'autre bon paquet monde qui un paquet de service qu'on a, un nouveau compagnie startup qui a venu avec même idée ça, même idée Mercury. Yo. OK. Sous pas veut use Mercury, on va avec qui ça l'autre des propose aussi non que Payoneer. OK. Quelle adresse mettez sur Shopify là, mettez adresse côté ma vif là, c'est ça mettez et directement. OK. OK. Si ma fonbis moi commence à compam et puis changer supply pam, bon pratiquement c'est ça et au besoin qu'on côté pour commencer, faut commencer avec pour faut un cash flow minimum. Pour commencer, Marcelis dit me fait en pile erreur, m'était toujours parler en pile, m'pa de jamais agir pour qu'on y a m'pa nan jouet c'est agir quel que soit ça ou joindre sous route ou observer comme expérience définitif, OK? Marco dit écrit Marcelis la bonne adresse États-Unis, la bon site côté ou payer une seule fois paiement. Oh, ça intéressant. Marco, partager ba yo men. Partagez pas, yo brother. Juste la gueule en bas live là. Ok. excusez-moi, brother, si ma pouchou. Mais partagez-le, man. Bah, c'est son seul fois où vous payer vos bon adresse. M'da bien, mais qu'on aime. M'da bien, mais qu'on service ça tout. Ok. Ridmer a dit que les rivets à soir. Ok. Ok. So, nous étions là 1h20. Nous va prêter plus toujours, mes amis. So, guys, mon objectif là, c'est ça. C'est te ba nous aujourd'hui là. Qui ça pour nous éviter? En dernier bail pour m'abdi nous avant nous aller. Ok. Lorsque ou gon business qui prend en pile chargeback, c'est-à-dire que chargeback limite arrive à 20%, à 2%, 4%, surtout avec Stripe. Et une raison que vous supposez focus sur customer support dans la période ça là, soit vous utilisez Stripe payments, ou bien soit vous utilisez Shopify payments. Ok? Il y en a pas que vous faites, vous pouvez le mettre dans sa relais match list. Ok? Match list. Match list là qui s'allie. C'est comme si ils sont blacklist. Ok? Vous mettez dans la liste noire. Si business ou t'es enregistré aux États-Unis, vous avez IIN ou. Sous besoin d'utiliser social security number, ok, ou d'utiliser adresse ou, il prend toute information ça, il voit il buy yon système qui aurait les match list que toute banque gagne, parce que toute plateforme de paiement ça pour être capable de permettre ou recevoir paiement, il travaille avec un banque, c'est eux même ils prennent l'argent en main ou même ils déposent l'argent pour, ok, ils travaillent avec un banque, ok, et moi quand que Shopify servi avec Wells Fargo, je me souviens exactement qui banque ils servi avec lui. Mais sur un bac qui est capable de faire service ça. Que c'est Shopify Payments qui utilise Stripe, que c'est Stripe directement ou quelque soit l'autre plateforme ou servir.
Donc, si vous mettez dans un match de cela, vous bloquez pour 5 ans ou pas faire business online. Ça veut dire que vous pas utiliser des informations personnelles ou pas utiliser social security number, ok, ou pas créer votre business parce que si vous pas créer votre business, vous êtes obligé d'utiliser social security number, surtout si vous êtes qui vit aux États-Unis. Vous pouvez le mettre dans un match de cela. Et même si vous pas vivre aux États-Unis, vous voulez ouvrir un autre compte en pile dans la plateforme, ça va vous demander pour ouvrir un passeport. Il faut avoir une pièce d'identité pour capable identifier qui est sous. Il y a plus de fois de passeport. Donc, les moments d'information, ça, ou bien par exemple, l'op fait Mercury, et puis il y a un pour scanner visage, l'op fait à côté sous Mercury, il y a un pour scanner visage sous Mercury. Toute information, ça, à l'autre côté. OK? On regarde, et privacy, moi, etc. They don't care. C'est côté privacy, on parle de privacy là. OK? Parce que supposé assurer que qui est ce monde qui est à qui est ce monde qui travaille. Donc, fais un pile attention avec Jean de Baïsa. OK, ou pas qu'à mettre on fait, ou pas qu'à mettre information qui fait, faut mettre information personnelle. D'accord? Donc, autant que faire ce peu guys, pendant période ça là, focus en pile sur customer support. C'est un bon email sequence pour capable parler avec customer dans toute phase et dans toute phase et supply chain là, OK, depuis le client a acheté jusqu'à ce que produit arrive là Kylie, et même le produit fin arrive là Kylie, OK, gain customer capable regagner fait customer tourner sur site pour racheter encore parce que un monde qui achète dans mon les plus que tendance racheter dans mon encore parce qu'il faut confiance. D'accord? Donc autant que faire ce peu bâti j'ai de base, ça c'est ça nous montre dans séquence email. Nous avons module même sur ça en information nous qui c'est SMS and email marketing mastery que nous montre non seulement comment pour setup e sequence sous email pour client, OK, et avec clavio ou bien abandon protect abandonment protector, mais en même temps tout ou application qu'on est capable de faire voyer SMS par customer dans n'importe qui côté yo yé sous la tête et fonctionner pour n'importe qui pays. Et si vous voulez utiliser le tout, vous pouvez utiliser ManyChat pour capable set up un système avec Messenger Marketing. ManyChat, une formation qui est gratuite, ou pas besoin aucun monde vend nous aucune information comment pour utiliser Messenger Marketing à moins que anglais assez parlant pas, OK. Donc ça c'est peut-être seule raison que vous avez peut-être besoin un monde montrer comment pour utiliser Messenger Marketing. Mais soit allez sur ManyChat, il y a un cookie 100% gratis qui montre comment pour set up Messenger Marketing Understore Shopify ou comment vous avez commencé à apprendre depuis jeudi, OK. Garantis-nous, dis-nous encore que le succès nous dans le business, ça, OK, dans quel que soit le business, les 90% information, 10% décision. Warren Buffett dit puis faut stock li acheter, c'est 80% de temps qu'il passe à li et pas 20% de temps seulement pour prendre décision. D'accord? Jeff Bezos dit moi 70% information, 30% reste, ça m'a pas besoin moins prendre décision. Donc nous capable voir que moun sa yo gon façon de penser, yo gon framework que utiliser et en pile là-dedans yo basé sur qui qualité information que yo recevoir. Et moun être ça nous-mêmes, nous faisons sorte que qualité information que n'a ba ou li basé sur tout à sur totale transparence, nous dit nous tout bail l'argent lien pour même pour capable prendre bonne décision tout pour capable qui a une bonne information pour prendre décision, bonne décision dans le business, pour qu'on même tantôt protéger le business. Et c'est une raison qui fait que nous-mêmes, nous créons une formation ça pour nous-mêmes. D'accord? Ça que nous ne mettons pas aucun filtre dans ce qu'on a dit ou bien dans ce qu'on a fait. So, guys, moi, je suis content ensemble avec nous à soir. Merci à tout le monde qui était là. Merci à tout le monde qui était partagé en live là. Merci à nous-mêmes qui nous confiance, nous qui déjà dans la formation. Hein? Et n'attendons-nous dans la semaine qui va venir pour le premier mastermind que nous allons gagner. Parce que rappelez-nous que un bonus que nous gagnons dans la formation, ça, c'est que mastermind yo, 100% gratis. Nous ne pas chercher un good pour mastermind. Yo, ok. Et dans mastermind, ça, yo, nous capables de garantir que la formation va venir. Il vaut plus que sorbet pour la formation. Ok. Pas besoin de deal. Peut-être que l'autre monde qui est là dans le premier mastermind que nous avons fait dans Facebook Ads Academy. Hein? D'accord. Donc, il vaut plus que qualité information qu'on joue dans le format et en cours. Ok. En sorte que nous continuer avec formation pour nous accompagner dans route la net, OK. Et si vous même qui t'a juste voulu entrer dans un groupe gratuit, nous avons un groupe qui 100% gratuit, qu'on a boire en sous page arrivé qui est les ADA HADA qui c'est Facebook Haitian Dropshipping Academy, groupe ça qu'on entrer là-dedans 100% gratuit, côté nous capable et tout aider pour monde ça intéressé. D'accord? So guys, merci encore parce que tu es là ce soir. Nous connons formule là déjà avant de finir. Et mettre grand monde là, mettre grand mettre là devant dans tout ce soit fait et puis reste là ces détails. Moi, mets-nous en pile, take care guys.